On commencera peut-être par une citation, ouvrez les guillemets, que cette année nous permette d'agir, en France et au-delà, pour apaiser les mémoires, lutter contre les assignations identitaires et la culture de l'annulation, autrement dit la cancel culture. C'est notre ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui parle lors de ses vœux aux acteurs culturels prononcés le 16 janvier dernier. Le SNAC s'est réjoui de ce vœu puisque, représentants des acteurs culturels que sont les auteurs et les compositeurs, nous nous sommes emparés du sujet des assignations identitaires dans le dernier trimestre de 2022. Un certain nombre d'entre vous ont assisté à notre premier rendez-vous le 15 mars dernier, qui dressait un état des lieux circonstancié de la question des assignations identitaires et de leurs effets possiblement délétères sur la liberté de création, au travers notamment d'injonctions de contenu. Afin de questionner ces assignations identitaires, nous sommes partis de catégories qui recoupent quelques-uns des 25 motifs de discrimination qui sont précisés par l'article 225-1 du Code pénal. On n'allait pas, à notre petit niveau, s'emparer de ces 25 motifs, mais on en a retenu au moins deux, les catégories de genre, sur lesquelles on reviendra à d'autres occasions, et les catégories ethniques, auxquelles semble parfois se rattacher une catégorie qu'on retrouve beaucoup dans le livre, la catégorie francophone. La francophonie en littérature constitue-t-elle une assignation identitaire qui serait source d'injonction de contenu et donc d'entrave à la liberté de création? C'est la question qu'on va aborder lors de ce rendez-vous. Pour commencer, on va tenter de circonscrire cette notion. Qu'est-ce qu'on entend par littérature francophone? On va ensuite entendre quelques témoignages d'auteurs. On va vous apporter un bref éclairage historique sur cette catégorie. On va s'intéresser ensuite au catalogage, à la perception et à la manière dont sont approchés les auteurs dits francophones par les institutions, les pouvoirs publics, la chaîne du livre, l'université. On va se demander s'il y a un lien ou un effet boomerang entre cette assignation identitaire ou ethnique et la question de l'appropriation culturelle et de la cancel culture dont parle notre ministre lors des vœux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier ceux qui ont répondu à notre invitation, notamment pour les auteurs Wilfried Nsondé, Elgas, Shumona Sina, pour la chaîne du livre Amanda Spiegel, on dit Spiegel ou Spiegel, j'espère que j'ai pas mal prononcé, qui est libraire et qui représente le syndicat de la librairie française. Alors, on a Emmanuel Jassier pour la Bibliothèque nationale de France, merci. Alison Rice, qui est enseignante à l'Université de Notre-Dame aux États-Unis. Et Jean-Loup Hemsel, qui est anthropologue et qui a longtemps enseigné à l'École des hautes études en sciences sociales. Donc, vous pourrez bien sûr intervenir au cours de ce webinaire en levant votre petite main en bas de l'écran ou en intervenant spontanément. Et je vais maintenant passer la parole à notre chargée de communication, Caroline Bouteiller, qui va tenter de définir brièvement cette notion. Alors, très brièvement, bonjour à tous et merci d'être là. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on entend par littérature francophone? Selon les contextes qu'on va interroger, il peut s'agir d'une littérature qui s'écrit en français, à la différence d'une littérature qui est traduite d'une langue étrangère vers le français. Il peut aussi s'agir d'une littérature qui est écrite en français par des personnes qui n'ont pas la nationalité française. Enfin, il peut aussi s'agir d'une littérature écrite par des personnes qui ont la nationalité française, mais qui sont tout de même cataloguées dans la catégorie francophonie et qui ne sont donc pas incluses dans la littérature dite française. On va voir pourquoi, comment et dans quelle mesure ces différentes assignations, ces différentes catégories se retrouvent intermêlées selon une logique qui n'est pas toujours très cohérente et pas toujours très rationnelle. Alors, on va entendre les premiers témoignages. Alors, ce sont des témoignages qui sont issus des États généraux du livre, qui s'est déroulé à Tunis le 26 septembre 2021. Vous allez entendre Grégoire Paulet et Anna Moy. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien l'écran? OK, c'est parti.
Barcelone, Madrid, c'est pas forcément francophone. Comment ça se passe? En fait, je parlerais peut-être plutôt de mon arrivée à Paris quand j'avais 22 ans. J'avais fait mes études à Louvain, en Belgique. Et c'est là que j'ai découvert pour la première fois le mot de francophone dans le sens où on l'utilise ici. Parce qu'en Belgique, on l'utilise dans un autre sens. En Belgique, un Belge francophone, ça signifie un Belge qui n'est pas flamand. Parce que vous savez qu'en Belgique, il y a 60% de la population qui parle le néerlandais ou le flamand, et 40% le français, plus des pourcents supplémentaires qui parlent l'allemand. Ils sont très peu nombreux. Et donc, un francophone, c'est simplement quelqu'un en Belgique qui parle le français. Donc, vous allez dans une école flamande, dans une école francophone, vous avez un député francophone ou un député flamand, etc. Et donc, quand j'arrive à l'université à Paris pour mon DEA, il y a le professeur qui me dit, voilà, écoutez, je vous propose, étant donné votre profil, que vous fassiez votre travail sur un auteur francophone. Alors, je dis, bah oui, naturellement. Et alors, vous avez fait, oui, j'ai choisi, je voudrais travailler sur Mallarmé. Alors, il m'a dit, oui, mais non, on m'a dit sur un auteur francophone. Alors, je dis, mais oui, mais que je sache, il a écrit en français, sapristi. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, le sens qu'on donnait à Paris au mot francophone. Ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai constaté chez le professeur qui m'expliquait, disons, involontairement le sens de la chose, j'ai senti une gêne, un moment comme ça, une sorte de frisson sur lui où il s'est dit, tiens, mais au fait, est-ce que ce n'est pas absurde? Et donc, ce tout petit moment, à mon avis, est une anecdote assez, comment dire, assez Révélatrice. révélatrice, voilà, que finalement, on peut, depuis une certaine innocence, qui était la mienne, ne voir absolument aucun sens à une idée de francophonie dont la France serait exclue. Puisque forcément, on peut difficilement mettre la France en dehors des pays qui parlent le français. Tout Voilà, donc ça c'est probablement mon premier contact avec la francophonie. Et depuis, bien entendu, ça m'a toujours accompagné. Je n'ai jamais pu trouver du sens à cette idée d'une francophonie qui serait simplement l'idée du rayonnement qui serait sorti de la France, même si, bien sûr, ça a du sens aussi, ça a un sens historique notamment. Mais spontanément, avec ma propre innocence, je ne suis jamais parvenu à assimiler la réalité d'une quelconque forme de hiérarchie ou de sol natal de la langue française, puisque moi-même, étant belge, je parle le français, un français qui est local, depuis toujours, il n'a jamais été apporté, si vous voulez, c'est la langue, on va dire, historique du lieu. Donc voilà. Oui. J'ai eu exactement la même expérience que Grégoire Paulet. C'est marrant. Et dans un autre contexte, et sur un autre continent, à savoir le continent asiatique, j'étais au Vietnam, donc je vivais au Vietnam après avoir quitté la France. Et en 2006, on m'a contacté pour participer au salon de la francophonie qui a eu lieu en 2006, décidé par le président Chirac à l'époque. Et donc, il y a eu des interviews et on m'a envoyé un questionnaire, des questions diverses. L'une d'elles était, est-ce que vous lisez la littérature francophone? Alors, moi, dans ma grande innocence, j'étais comme Grégoire Paulet, j'étais persuadée que la francophonie, c'était, enfin, concernait tout ce qui écrivait en français. Mais je commençais à avoir quand même un peu une petite idée, une fois que j'avais entendu toutes les questions posées et donc, à la question, est-ce que vous lisez des auteurs francophones? Je réponds, oui, je lis Marcel Proust et Boalem Sansal. Pour moi, c'était à peine une provocation. C'était normal. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, en fait, dans la bouche d'un Parisien français. Et la phrase a été supprimée de l'interview. Et alors là-dessus, je me suis quand même mise un peu en colère. Parce que j'ai l'air comme ça, mais je peux me mettre en colère très fort. Et j'ai écrit une tribune que j'ai envoyée dans le monde spontanément, là aussi en toute innocence, parce que je ne connaissais absolument personne. Je regarde dans le monde comment on écrit une opinion. Alors c'est genre opinion@lemonde.fr. J'ai écrit une tribune un peu ironique où j'ai dit, voilà, c'est quoi ce système où il y a des écrivains franco-français? Il y a des écrivains qui ne sont pas nés dans la langue française, mais qui viennent de l'hémisphère nord, et puis ceux qui viennent de l'hémisphère sud, comme moi.
J'ai cité aussi une journaliste qui m'avait interviewée et qui m'a dit, mais vous écrivez en français, mais ce n'est pas une aliénation. Et j'ai répondu dans l'article, j'écris en français et puis je connais 5 autres langues, donc je connais 6 langues et je ne considère pas ça aliénant, mais dément. Voilà, donc j'arrête le partage. Deux premiers témoignages. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir, évoquer sa rencontre avec la francophonie ou apporter une réaction, un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre. Oui, vas-y, Choumona. Rapidement, m'en connaissant, je ne vais pas m'étaler. Alors oui, je comprends parfaitement. Ces trois témoignages sont tellement complémentaires. Je ne vais pas broder davantage, mais j'ai connu la même chose dans deux sens. Je vais commencer par mon pays natal, ou encore les Français qui sont indologues ou indophiles. Parfois, ils m'en font une piqûre d'appel ou de rappel. C'est que la langue bengali, elle est belle. Le pays natal, pourquoi le délaisser, ou la langue natale, pourquoi, langue natale, c'est ce que j'emploie comme terme, au lieu de langue maternelle, pourquoi la délaisser? C'est comme si il y a un devoir inconscient pour ramener le brebis égaré à son bercail. Il faut ramener. J'ai commis une effraction quelque part, tout en étant indienne, ayant un héritage postcolonial britannique, pourquoi et comment je suis arrivée ici. Ce n'est pas une question généralisée, mais parfois, ce sont des commentaires. Je trouve que ce sont des questions sincères auxquelles je ne cesserai jamais de répondre. Je pense que je passerai ma vie à répondre à ces interrogations. Deuxièmement, de l'autre sens, évidemment, ça je rejoins, c'est qu'il y a la littérature française de souche et il y a la littérature de la périphérie. Et que moi, ce que j'ai proposé dans mon dernier livre, L'autre nom du bonheur était français, ce n'est pas un roman, c'est un récit, dans lequel j'ai proposé justement qu'il faudrait peut-être, au lieu de parler de la littérature francophone, donc littérature de français de souche, il faudrait peut-être parler de la francophonie littéraire, la francophonie à ses plusieurs aspects, politiques, sociaux, autres. Ce qui nous intéresse ici, s'il est encore nécessaire de parler de l'origine ethnique, dans ce cas-là, il faut parler de la francophonie, mais littéraire. De la part de départ, on parle de la racine, s'il est encore nécessaire, on va vers la création littéraire, vers la liberté, ça nous laisse un chemin ouvert. Il y a également Barbara Cassin qui a proposé les francophonies. Je trouve ça aussi, c'est une idée que chacun sa francophonie, peu importe, ou disons, considérons l'héritage postcolonial, parcours personnel, passion, multilinguicité, mais finalement, il s'agit des francophonies. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Merci Choumona. Il y a d'autres réactions? Wilfried. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir Wilfried. Oui, alors, comment dire, ça fait, voilà, bon, je me présente rapidement quand même pour qu'on sache d'où je parle. Je suis auteur, ça fait 16 ans que je publie, donc chez Actes Sud surtout. Mon prochain roman sort chez Robert Laffont. J'avoue que toutes ces questions m'ennuient parce qu'elles sont vraiment, sans intérêt, dans le sens où sémantiquement, il y a un piège. Parce que voilà, le mot francophonie en réalité est très simple. Qui est francophone? C'est celui, celle qui parle français, qui écrit le français. Donc voilà, français, enfin, les nationalités ne sont pas importantes. Après, effectivement, dans les faits, certains ont trouvé le moyen de séparer des gens qui parlent la même langue sur des questions ethnico-raciaux ou de nationalité. Ça faisait peut-être à peu près sens encore dans la première moitié du XXe siècle, mais aujourd'hui, c'est complètement absurde. Voilà, moi, quand effectivement je suis de nationalité française et je suis né au Congo, donc de nationalité congolaise, il se trouve que ce sont deux pays qui ont pour langue officielle le français. Donc je suis à la fois français et francophone. Voilà, et nous sommes extrêmement nombreux dans ce
cas-là, on est allé pour le salon de Québec, je crois que c'était en 2008-2010, une délégation francophone. Tout le monde avait un passeport français. Il y avait Makine, il y avait Fatou, il y avait Fatou Diome. Voilà, enfin, tout ça pour dire que enfin, je trouve que tout ça n'a aucun intérêt et je ne comprends pas quand le monsieur belge dit que le professeur lui explique que Mallarmé n'est pas un auteur francophone, il faut qu'il change de prof parce que ce prof est un idiot. Voilà, c'est à un moment donné, voilà, il faut. Enfin, voilà, j'ai envie de dire, il faut pas trop faire cas de ça parce que ça n'a aucun sens et ça n'a aucun intérêt. Est-ce que je peux. Merci. Peut-être juste après, Choumana, on va apporter un éclairage historique en effet, et puis on va écouter D'accord. Fatou Diome. On va écouter Fatou Diome. Choumana, tu veux réagir avant ou tu veux écouter Fatou Diome d'abord? Donc, juste un mot Vas-y. pour remercier Wilfried. Juste un mot pour remercier Wilfried parce que je te remercie, Bessora, d'avoir pris cette belle initiative. En même temps, il y a un piège, cette absurdité qu'on est en train de justifier et se débattre et à justifier cette francophonie. Donc, merci Wilfried de dire l'absurdité même de cette entreprise-là, mais je ne vais pas m'étaler davantage. Je dirai plus tard quelque chose. Merci. Elle est absurde, mais elle est très présente. Voilà, c'est ça le problème. Donc, on va écouter Fatou Diome maintenant, qui s'exprime dans le cadre d'un entretien avec Alison Rice, qui est parmi nous aujourd'hui. Vous voyez mon écran? Oui. Ensemble. Vous êtes ici comme écrivain européen. Mais si on vous colle l'étiquette francophone, souvent on fait une distinction entre francophone et français, comment est-ce que vous réagissez à ce terme-là? Est-ce que c'est problématique pour vous? Est-ce que... Ça dépend de qui parle. Parce que si on va à la définition linguistique, francophone étant tout ce qui est écrit ou dit en français, c'est tous les Français, tous les Sénégalais qui écrivent et toutes les personnes du Québec, de Belgique qui parlent français. Donc à ce titre-là, on ne peut pas dissocier un Sénégalais d'un Français ou d'un Belge pour leur écriture, si c'est simplement la question du langage. Maintenant, je pense que selon des situations, le terme francophone renforce ou renferme l'idée de ressortissants de colonies de France. Et donc, selon la personne qui parle, ça peut être respectable ou dévalorisé. Parfois, je pense qu'il y a des gens qui sont assez hypocrites pour quand ils disent littérature francophone, c'est une espèce de sous-littérature française. Et devant ces gens-là, j'aime bien leur dire, mais non, ce n'est pas de la littérature francophone, c'est de la littérature, point. Parce que je ne vois pas, quand on utilise la même langue, qu'on la traite de la même manière. Je ne vois pas la différence entre moi et n'importe quelle Française formée à l'Université de Strasbourg. On a le même niveau, on peut avoir une sensibilité différente, mais on va traiter la langue avec les mêmes armes. À ce titre-là, pourquoi me différencier d'elle? On fera de la littérature, bonne ou mauvaise, mais de la littérature, c'est tout. Voilà, donc Fatou Diome qui semble partager des avis qui ont été déjà exprimés ici, et Fatou Diome qui est de double nationalité sénégalaise. Donc, on va se poser, du coup, sauf s'il y a des réactions, je ne sais pas si vous souhaitez réagir. Wilfried parlait tout à l'heure de la... de l'histoire de ce concept. Alors, on va essayer schématiquement et brièvement de tenter un éclairage historique dans l'idée d'encourager ceux qui souhaiteraient à creuser la question si elle paraît pertinente. Donc, je vais de nouveau partager mon écran et voici le schéma qui s'affiche normalement chez vous. Vous voyez bien? C'est un peu petit. Voilà, c'est C'est bon? Donc, on a décidé de manière un peu arbitraire de remonter à 1788. On aurait pu remonter plus loin dans le temps. Mais on commence par la fondation de la Société des Amis des Noirs,
parce que donc en 1788, on est en plein siècle des Lumières, et donc à une époque où émergent les questions de la liberté individuelle, de droit universel et donc d'universalisme. Alors là, on a des personnalités comme le marquis de Condorcet ou l'abbé Grégoire qui sont membres de cette association. Et cette association, la Société des Amis des Noirs, elle prône l'égalité entre blancs et noirs libres et l'interdiction de la traite. 20 ans plus tard, donc on est dans le deuxième encadré, là, on retrouve l'abbé Grégoire, qui est donc une figure emblématique de la Révolution. Et entre-temps, outre son combat abolitionniste, il a milité pour l'universalisation de la langue française, en passant par, je cite, « l'anéantissement patois » et des langues minoritaires comme le yiddish ou le créole. L'idée étant de créer un peuple autour d'une langue commune. Or, en 1808, animé par son idéal d'égalité, l'abbé Grégoire publie un traité qui s'intitule « De la littérature des nègres ou recherche sur leurs facultés intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature », suivi des notices sur la vie et les ouvrages des nègres qui se sont distingués dans les sciences, les lettres et les arts. Or, dès les premières pages de ce livre que je vous affiche à l'écran, il y a un paradoxe. Donc, vous voyez la dédicace qui dit à tous les hommes courageux qui ont plaidé la cause des malheureux noirs et sans mêlée, soit par leurs ouvrages, soit par leurs discours dans les assemblées politiques, dans les sociétés établies pour l'abolition de la traite, le soulagement et la liberté des esclaves. Et cette dédicace, il l'adresse à des hommes qu'il regroupe, certains sous une nationalité. Vous avez des Français, des Anglais, vous avez des Allemands, des Danois, des Suédois, et d'autres sous une race. Vous avez des nègres et des sans-mêlés. Donc, quand bien même il y a une intention égalitaire qui est annoncée par l'abbé Grégoire, elle est en quelque sorte neutralisée par une séparation initiale qui introduit le traité. On va faire un saut dans le temps pour se retrouver dans le mouvement de la négritude. On est là. Alors, jusque-là, nègre, c'était un stigmate. Mais grâce à des personnalités comme Senghor ou Césaire et d'autres, c'est devenu un mouvement culturel, littéraire, politique, positif. Il y a eu appropriation du stigmate. Mais comme dans le cas de l'abbé Grégoire, il y a là aussi des paradoxes, des contradictions qui vont être soulevées, notamment par le philosophe Khadim Ndiaye. Et donc, Khadim Ndiaye écrit dans un article qui est sourcé là, « Senghor voue également une admiration ambiguë aux idéologues de la suprématie occidentale. Sous prétexte de valoriser la culture nègre, il tend à donner une définition essentialiste des Noirs et des Africains que ne renierait ni Maurice Barrès, dont Senghor est un disciple revendiqué, ni même Arthur de Gobineau, auteur en 1853 de l'essai sur l'inégalité des races humaines, auquel le poète sénégalais se réfère explicitement. » Alors évidemment, Khadim Ndiaye n'écrit pas que ça. Vous pouvez aller lire l'article en entier ou d'autres textes de ce philosophe ou d'autres philosophes. Il n'en demeure pas moins que cette littérature, qu'on n'appelle pas encore francophone, elle s'institutionnalise. On l'enseigne dans les universités françaises et on l'appelle ici, voilà, la littérature négro-africaine. Jacques Chevrier, pour ne citer que lui, qui est professeur émérite à la Sorbonne, forme ainsi de nombreux étudiants français ou sénégalais ou camerounais ou congo ou béninois ou binationaux qui parfois vont en Afrique subsaharienne enseigner cette littérature dite négro-africaine. Alors, bien plus tard, donc après les indépendances, le terme négro-africain n'est plus tellement politiquement correct en France. Donc on voit apparaître d'autres concepts. On voit par exemple le concept de littérature de la migritude. On entend parler aussi des diasporas, qui sont deux notions dont on peut également questionner l'essentialisme. Et on voit apparaître, avec la caution de personnalités comme Senghor, la littérature dite francophone, qui englobera finalement plus d'auteurs que ceux qu'on appelait les négro-africains. Cette littérature, aujourd'hui, elle est parfois qualifiée de post-coloniale, avec l'idée que ses représentants tournent essentiellement autour de sujets tels que la colonisation, le racisme et l'esclavage. La dernière partie du schéma que vous voyez là,
Elle établit un lien avec la naissance des théories critiques de la race, de la classe et du genre, en ce que paradoxalement, ces nouvelles théories, elles peuvent elles aussi être source d'assignation et d'injonction de contenu dans les motifs qu'elles déclinent, qui sont les motifs post-coloniaux, les motifs féminins et les motifs décoloniaux. Donc voilà, c'était très schématique et très rapide, mais c'était pour apporter un éclairage historique. Et donc, si vous avez des commentaires, des réactions, voire des corrections, parce que je pense qu'on a parmi nous des gens qui sont peut-être plus spécialistes que la SNAC sur ces questions, n'hésitez pas à intervenir. Vous avez des commentaires par rapport à ce schéma ou à cet historique ? Est-ce que je peux te poser une question, Messora ? Je t'en prie. C'est une question un peu teintée de tristesse. C'est que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais tu me diras, ou vous me direz, j'ai l'impression que la francophonie, le schéma absolument bouleversant que tu as établi, ça me bouleverse vraiment à entendre ce terme-là. J'ai l'impression, quelque part, la francophonie est... La façon dont tu l'abordes, et beaucoup d'entre nous l'abordons, c'est qu'il y a une charge historico-politique telle, c'est que le continent noir, le continent d'Afrique subsaharienne, il y a une charge telle, je ne vais pas nommer les thèmes, vous le savez tous, cette charge historico-politique, quelque part, me dissocie, m'éloigne un tout petit peu de vous, comme si j'ai un peu mal, que je n'arrive pas complètement à m'identifier dans ce schéma-là, tu vois, venant de l'Inde. Et c'est comme si je peux me plaindre tant que je veux, mais finalement, une Indienne qui écrit en français, ça reste une entreprise joyeuse pour les autres et pour moi, parce que moi, mes ancêtres, nous étions colonisés par les Anglais, tu vois ce que je veux dire. Donc, quelque part, nous avons des points de convergence, et heureusement, et je me réjouis, mais quelque part, ce schéma de la francophonie que tu as établi, ça m'attriste davantage parce que je n'arrive pas à m'identifier complètement en raison de mon origine qui n'est pas africaine subsaharienne. Donc, je suis avec oui. vous, voilà, dis-moi. Alors, Wilfried, et ensuite Alison. Alors, je comprends tout à fait ce que Simone a dit, parce que je ne m'identifie pas du tout à ce schéma-là. Je pense que je le dis, moi quand j'en ai l'occasion, je peux comprendre que le contexte historique est produit des Senghor et des Césaire, mais la négritude, c'est une absurdité aussi. Et peut-être que le problème du concept de francophonie, c'est effectivement qu'il a été créé par des gens comme Senghor, qui était, à mon sens, un complexé fondamental. Voilà. Je ne me définis par ma couleur de peau, et encore moins par une appartenance continentale. Ça n'existe pas. Ce n'est pas pertinent. Voilà. Alors, Alison et après Elgas. Et je terminerai que juste voilà. Donc, nous héritons malheureusement d'outils de langage qui ont été créés par des gens qui étaient enfermés dans leur contexte. Et il faut tout simplement s'en éloigner. Parce que si ça faisait peut-être un peu sens à l'époque, aujourd'hui, c'est absurde et c'est handicapant. En tout cas, c'est pas du tout, ça ne rentre pas dans ma manière de penser et ça ne fait pas partie de ma pratique. Alors, Alison, Elgas, et je crois qu'il y avait aussi Nicolas Martin-Granel et ensuite Amanda. Vas-y, Alison. Oui, donc ce que tu disais, Shumona, me faisait penser à un entretien que j'ai mené à cette même époque avec Natasha Apana, qui est de l'île Maurice, mais qui a des ancêtres indiens, bien sûr. Et donc, elle a dit que quelque part, le fait d'écrire en français, étant d'origine indienne,
l'épargner d'un certain destin qui aurait été peut-être le sien si elle était à Londres en train d'écrire en français, en anglais. Et elle dit que le fait d'avoir choisi le français comme ça et d'avoir été à Paris, ça lui donnait un tout autre statut et elle n'était pas la beurre qu'elle aurait été à Londres. Et c'était très intéressant qu'elle utilise ce mot-là, beurre, pour expliquer ce qui aurait été son statut à Londres en tant que être postcolonial de cette colonisation-là. Mais autre chose qu'elle a dite qui était intéressante, et je ne sais pas si c'est contradictoire, mais il y a plein de contradictions, bien sûr, dans tout ce qu'on peut dire par rapport à ces étiquettes et ces catégories, mais elle disait que quand même le choix de la langue française avait peut-être moins de valeur aux yeux des autres que si elle avait été, par exemple, chinoise. Et donc, si sa langue maternelle n'avait pas été, dans son cas, une sorte de créole donc de l'île Maurice, mais si elle avait été chinoise et elle avait choisi la langue française, ça aurait été plus valorisante parce qu'on laisse derrière soi une langue avec un lectorat énorme peut-être. Donc tous ces éléments qui sont en jeu parfois sont très intéressants et parfois contradictoires. Merci. Elgas? Oui, bonjour à tous. Alors moi, j'ai la même tentation blasée que mes collègues qui ont pris la parole avant pour avoir répondu 10 000 fois aux mêmes questions. Et il y a 6 mois, au Pen Club français, on était invité pour parler des francophonies littéraires d'Afrique. Et d'ailleurs, c'était amusant parce qu'après, en explorant la programmation de cette structure, on découvrait qu'une semaine après, dans le cadre de ces mêmes manifestations, il y avait une discussion sur uniquement la création littéraire, sans aucune forme d'étiquette, sans aucune forme d'orientation. Et je me réjouis d'ailleurs de la tenue des discussions aujourd'hui, parce que ce jour-là, on était arrivé au pugilat au bout de 5 minutes. Et donc, pour l'instant, je pense que le camarade Wilfried, s'il permet cette familiarité, je sens qu'il en a beaucoup plus marre. Mais je pense qu'il faut faire la distinction entre deux choses, c'est-à-dire... voilà, l'histoire, elle est là, on n'en décide pas en quelque sorte, et elle façonne des choses et parfois il faut pouvoir l'affronter sans forcément adhérer justement au canevas que ça peut jeter, quoi. Donc ça, c'est une dimension. Et bien sûr, je pense que la tonalité de nos interventions à tous aujourd'hui, c'est qu'on a plutôt la tendance à se dégager de toute forme d'assignation étouffante. Et d'ailleurs, c'était très intéressant ce que disait Shumona, parce que moi, j'avais fait un article en début d'année sur Jeune Afrique où j'évoquais la double assignation. Voilà, le titre du texte était la double assignation, parce qu'il me semble qu'il y a les assignations que l'on projette sur nous par un différentialisme dont l'héritage est purement colonial, naturellement, et un autre différentialisme, justement, de revalorisation de soi qui épouse une certaine forme d'essentialisme aussi. Et je pense d'ailleurs que le schéma historique qu'on a tracé rend compte de cette situation-là. Et la négritude, d'ailleurs, a eu une violente critique, je crois, de la part de Stanislas Abetevi, négritude et négrologue, justement, pour dénoncer ces gadgets, en quelque sorte, qui reprenaient des terminologies, en tout cas des logiques de réflexion qui étaient, si on veut dire les choses abusivement, ceux du bourreau. Et c'est amusant parce qu'en 2007, au Festival de littérature d'étonnants voyageurs à Saint-Malo, beaucoup d'auteurs, justement, c'était comme nous aujourd'hui, de façon beaucoup plus véhémente, élevés pour dire non, ça suffit maintenant, les caricatures, la relégation. Et pourtant, même eux, dans leur formulation, étaient tombés dans une certaine forme d'essentialisme, parce qu'on a, on a trouvé cette étiquette fourre-tout de littérature monde, en quelque sorte, qui est devenue une sophistication un peu chic, je veux dire, de l'assignation ou en tout cas de la relégation. Alors, je pense que ces témoignages-là, peut-être qu'ils nous suivront pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans,
Mais ce que l'on peut faire, c'est par nos travaux, par nos livres, justement, essayer d'en sortir. Parce que ce phénomène-là, c'est un vieux serpent de mer. Moi, je me rappelle avoir assisté à une discussion à Kartala, un livre qui est sorti, c'est un livre de Désiré Niella, qui est un professeur de littérature au Canada, les littératures de la traversée. Et il prenait trois exemples. Le premier exemple était celui de Kofi Efoué. Le deuxième, c'était Dany Laferrière. Et le troisième, c'était Yambo Ologun. Comment tous ces gens-là, dans leur carrière et dans leur entreprise littéraire, ont essayé, par des stratégies diverses, de repousser toute forme d'assignation. L'utilisation de pseudonymes, ainsi de suite, le refus d'être identifié à une forme d'identité dans sa forme un peu carcérale, ainsi de suite. Et donc, on voit qu'il y a cette vitalité-là. Mais moi, la question que j'ai envie de poser, pourquoi on n'en sort pas? Pourquoi, aujourd'hui, on en vient toujours à parler de ces sujets avec, je veux dire, les frémissements, les mêmes énervements, les mêmes lassitudes, ainsi de suite? Pourquoi on est là alors que, justement, le potentiel créatif, il n'est pas encore captif, si je dois dire, justement, de logique d'injonction, d'assignation, de commande, qui, justement, si on ne produit pas, on va dire, d'amnésie sur l'histoire, ont existé. Je veux dire, la littérature voulue, exotique, elle a existé. Des commandes d'éditeurs pour avoir des colorations de tel type, ça a existé. Et voilà, c'était juste pour rappeler qu'on est dans les mêmes discussions et quelles sont les ressources que l'on peut investir pour en sortir. Et bien sûr, naturellement, ça, c'est sans venin, mais je peux pas laisser dire que Senghor était juste un aliéné ou un complexé. Pour le coup, je pense que chaque homme appartient à son contexte. Bien sûr, on peut accabler Senghor et je pense que personne ne manque de le faire. Mais justement, c'est dans ces dualités d'histoire-là, en quelque sorte, qu'on arrive à voir justement les chemins qui sont tracés et dans lesquels on peut s'investir. Parce qu'il me semble toujours un tout petit peu délicat, a posteriori, de refaire le match, d'arbitrer, en quelque sorte, parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Et justement, la réalité des schémas de pensée, c'est qu'ils évoluent. Et pour reprendre une formule d'un auteur que moi j'adore, qui n'est pas nécessairement un littérateur de premier plan, mais qui est un sociologue, Georges Balandier, c'est que l'inachèvement est notre condition à tous. Donc la réalité de ce qu'on discute aujourd'hui peut évoluer demain, évoluer peut-être dans 100 ans. Et je pense qu'il y a là le motif même d'un certain espoir. Alors peut-être, non, donc Nicolas Martin-Granel et Amanda Spiegel. Oui. Je voulais ajouter à la liste une appellation, une étiquette un peu oubliée qui a été ravivée. Je crois que j'avais signalé dans le courrier de la dernière session là, du webinaire. J'ai été surpris en entendant Mabankou, il n'y a pas longtemps, dans France Culture, rejeter violemment l'appellation francophone et dire qu'il est un écrivain d'expression française. Chose que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Voilà, je voulais le signaler, je n'ai pas eu d'explication. Je me demande qu'est-ce qui lui a pris, quelle mouche l'a piqué, pour reprendre cette appellation. Bon, aucune ne va évidemment parfaitement. Bon, autre part, je voulais citer peut-être à la suite de Wilfried Sondé, hein, Sonny Boutancy, il y a eu un numéro sur les francophonies, la francophonie. Ou littérature, je ne sais plus, dans l'Africulture, il y a un moment, et je voulais juste citer cette expression qu'on reprend souvent, attendez que je retrouve, de Sony, il a plein de... C'était une suite de citations sur la francophonie qui s'intitule « Taisez-vous devant la majorité que nous sommes ». Et voici ce qu'il dit, c'est « Nous sommes les locataires de la langue française ». C'est là on arrive peut-être à la question du METEC. Nous payons régulièrement notre loyer. Mieux même, nous contribuons aux travaux d'aménagement dans la baraque. Nous sommes en partance pour une aventure de copropriation. Et un peu plus loin, la francophonie, c'est le courage qu'auront les Français de savoir que des hommes font l'amour avec leur langue. Voilà, fin de citation. C'est tout ce que je voulais ajouter pour le moment. Merci. Amanda et après Wilfried. Amanda.
C'est bon? Je vous remercie tous pour la teneur des débats. J'ai écouté le webinaire de mars. Et change, c'est vrai que je ne sais me remettre en question. Vous m'entendez mal? Eh bien, je vais couper la caméra si ça ne vous embête pas. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui. Oui? Donc, je n'arrête pas de me mettre en question en vous écoutant. Voilà. On vous entend très mal, Amanda. On vous entend très mal quand même. Je vais couper le bruit ambiant. Et là, est-ce que... Essayez, allez-y. Bonjour, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, allons-y. Je crie. Donc, je vous remercie pour la teneur des débats. Moi, je suis libraire, donc je suis assignatrice. Voilà, quand les livres rentrent dans le magasin, on doit les mettre dans des cases. Nous, on appelle ça des ventilations ou de la signalétique, mais c'est pour permettre aux clients d'être autonomes dans un magasin. Et aussi pour répondre à des demandes, parce que autant on ne me demande jamais de la littérature belge ou de la littérature suisse, autant on me demande de la littérature subsaharienne ou de la littérature insulaire. Et on est à Montreuil, dans une ville aux multiples communautés, avec des communautés qui sont de plus en plus demandeuses de se reconnaître et de se retrouver dans les rayons. Il n'y a pas que les communautés militantes qui cherchent à se retrouver. Ces assignations par rayon, elles servent aussi aux clients un peu novices en littérature. C'est une manière de s'intégrer, de comprendre comment ça marche, d'avoir des repères et de commencer par ce qu'on connaît, puis après potentiellement de s'ouvrir. Alors, j'entends bien que vous n'aimez pas être dans des cases et moi-même, je préférerais avoir un rayon bonne littérature, littérature point, et c'est tout. Mais on me demande toute la journée des littératures par bassin de langue ou par bassin culturel. Moi, mon travail, c'est de vendre des livres. Quand je dis vendre des livres, ce n'est pas seulement par l'aspect pécuniaire, hein, c'est transmettre des textes. Et pour ça, je me permets des choses qui vous hérisseraient les cheveux. C'est-à-dire qu'un auteur, Alain Mabankou, par exemple, il se balade dans la librairie en la littérature française et la littérature Afrique noire ou Afrique subsaharienne, parce qu'on a besoin de locomotives. Les gens qui vont chercher Mabankou, donc qui a un public très large, ça, si je le mets vers les littératures d'Afrique subsaharienne, ça va leur permettre de découvrir aussi des auteurs d'Afrique noire. Et c'est pareil sur le Maghreb, c'est pareil pour le... Enfin, c'est pas pareil pour le Québec, mais on a aussi arrivé au Canada maintenant avec des auteurs francophones et des auteurs anglophones. On travaille effectivement par bassin d'intérêt. Et... pour exemple, de la difficulté que c'est de faire ces arbitrages, on me demande toutes les semaines où est mon rayon afro-féminisme. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas. Déjà, j'ai mis très, très longtemps à avoir un rayon féminisme parce que j'ai du mal à savoir par quel bout je le prends. Et je sais qu'on n'est pas là pour parler du genre. Mais si je prends toutes les autrices qui parlent du féminisme et que je les mets en essai, hein, je parle, hein, que je les mets dans ce rayon, je vais viriliser et masculiniser toutes les autres disciplines. C'est-à-dire, si je les sors de la philo et de l'histoire et de, pour les mettre dans le genre, il va me rester que des gars et le problème sera le même. Sauf que, effectivement, je les vends beaucoup mieux quand elles sont dans le rayon féminisme parce que c'est là que les clientes vont chercher de quoi se nourrir. Ce que je voulais vous dire, c'est que la nomenclature d'une librairie, elle est le fruit d'une histoire entre le libraire qui fait ça et d'une clientèle et les gens qui rentrent dans la librairie et leur demandent. Gros travail de tentative d'autonomisation des clients. Donc, c'est important pour nous qu'il y ait beaucoup de sous-sections. Et quand on est pris à partie, parce qu'on est souvent pris à partie, on réfléchit avec les gens, les livres, rien n'est figé. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on n'a pas de rayon francophone.
les Belges et les Suisses sont avec les Français de souche, blanc, noir, peu importe. Mais par contre, on a un rayon insulaire francophone. Et dans ce rayon insulaire francophone, il y a les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Antillais, parce qu'on a une demande aussi là-dessus. Et voilà, nous, on veut pas que les gens se retrouvent pas, on veut pas qu'ils y voient du mépris. Et pour un libraire, c'est toujours très, très difficile de tenir cet équilibre pour ne pas froisser ni les uns ni les autres. On prend nos informations des éditeurs et des argumentaires et des représentants. On se trompe beaucoup. Parmi vous, il y a des auteurs qui ont des livres à la fois en littérature française et dans d'autres littératures, mais les livres se déplacent tout le temps et notre objectif est le même que le vôtre, finalement, c'est que le texte circule et qu'il soit transmis. Par contre, on est tout à fait à l'écoute des discussions quand elles sont apaisées comme aujourd'hui pour se remettre en question. Et de dire faire péter les cloisons, c'est plus intéressant. Enfin, ce serait judicieux avec des publics qui seraient extrêmement curieux et déjà connaisseurs des choses de la littérature. Et faire péter les cloisons, je crois que c'est ce qu'a fait la FNAC. Et ils ne l'ont pas fait par une volonté d'intégration des invités. C'était juste un moyen de plus répondre aux questions, aux prises à partie des clients. Merci Amanda, on vous a très bien entendu et je précise que donc vous êtes libraire à Folie d'encre à Montreuil, hein, c'est ça? Oui. Ok, merci beaucoup. Wilfried? Oui, alors dans le même genre d'idée, Amanda, j'étais il y a quelques années, à l'époque où il y avait encore la librairie Gibert à Saint-Michel, j'étais allé voir et j'avais mes livres en grand format étaient en littérature française et en poche. En littérature francophone. Et la libraire m'expliquait que comme ça, il se vendait mieux. Ça m'allait. Voilà. Ça m'allait tout à fait. Voilà. Et parce qu'il y a. Voilà. C'est une chose que. Voilà. Il y a des questions conceptuelles, mais il y a aussi effectivement des données tout à fait pratiques que j'entends. Et ce que je voulais dire à la base, quand c'est Eladj, hein. Quand Eladj se demandait pourquoi est-ce que le débat persiste, pourquoi est-ce que les concepts persistent, ben c'est aussi parce qu'ils font l'objet, pour ce qui est de la francophonie, il y a des prix francophones, il y a des, comment dire, il y a des festivals qui tournent autour de la francophonie, donc il y a des associations qui l'organisent, il y a de l'argent pour ça, dans les universités, il y a des départements de littérature francophone, donc si on se met, voilà, donc et moi-même, j'ai commencé ma carrière dans une collection Afrique, chez Actes Sud. Il a fallu que je lutte pour en sortir, mais néanmoins, c'est cette collection qui m'a lancé. J'ai gagné 17 prix littéraires. Les 4 premiers avaient une connotation francophone. Donc, ce qui est un peu, en termes très pratiques, il a fallu que je commence dans le ghetto, pour en sortir. Et j'en suis sorti. Mais voilà, c'est qu'aussi, il y a cette absurdité conceptuelle permet aussi la diversité, permet de multiplier les festivals, les prix littéraires, et ainsi de suite. Voilà, ces questions très pratiques sont à prendre en compte. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'absurde, comme je l'ai dit au début, et de contradictoire, mais dans les faits, c'est difficile à bouger parce que ça créerait du vide. Voilà. Merci Wilfried. On va en effet vous proposer tout à l'heure une petite tentative d'analyse institutionnelle, mais on va vous diffuser là un dernier témoignage. Il s'agit de celui de Leïla Sebar, qui témoigne, toujours dans le cadre des entretiens qui ont été menés par Alison Rice. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, vous voyez bien le partage d'écran? Ok. Oui. Donc, le son de la vidéo est nul, donc je vais lire le témoignage de Leïla Sebar. Et
Alors, je ne vois pas ce qui est écrit en haut. Je crois que Alison lui demande, est-ce que vous vous définiriez comme un auteur post-colonial ? Et elle répond, je ne me définirais pas comme un auteur post-colonial. Non, non, non. Parce que quand on parle de post-colonial, on parle d'une situation précise, historique, politique, qui fait suite directement à la colonisation. On peut appliquer ce terme dans certaines situations, à propos de l'immigration du Maghreb, c'est vrai, on peut le faire. Mais c'est comme si, quand on dit post-colonial, c'est un peu comme si on disait indigène. Indigène au sens où on parlait d'indigène dans la colonie. Non, moi je suis un écrivain français. Je suis français depuis la naissance, avec des singularités qui tiennent à l'histoire coloniale. Et c'est vrai que les personnages que je mets en scène sont des personnages qui sont les enfants de parents en exil et qui correspondent à cette situation qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, la globalisation, avec cette circulation intense, ces déplacements de population, que ce soit des déplacements volontaires ou involontaires. Donc ça correspond plutôt à une modernité politique et historique qu'à une situation post-coloniale. Et Alison pose une autre question et elle lui dit « Et si on emploie l'adjectif francophone ?» Francophone, je ne le suis pas, pas au sens propre. L'écrivain francophone, c'est un écrivain dont la langue d'écriture n'est pas la langue maternelle. Ma langue d'écriture est ma langue maternelle. Donc, je ne suis pas un écrivain francophone, mais je suis un écrivain lié à l'histoire de l'Empire colonial français. Bon, donc vous voyez, là, c'est encore une autre approche de ce que c'est qu'un auteur francophone, un autre positionnement, mais voilà, on retrouve la même remise en question d'une sorte d'archaïsme qui est un peu en décalage avec ce qui existe dans les institutions, justement. Et donc, je vais passer la parole à Caroline, qui va introduire la quatrième et avant-dernière partie de notre webinaire, l'optique analyse institutionnelle. Donc, Caroline, à toi. Déjà, je vous remercie tous pour la teneur de ces débats, parce que c'est exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire confronter les contraintes de chacun, les frustrations de chacun. Et j'ai été très intéressée par ce que nous a dit Amanda, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on va analyser maintenant, c'est-à-dire comment la chaîne du livre s'est structurée de façon à ce que cette notion de francophonie, pour absurde qu'elle puisse être, comme vous l'avez dit chacun parmi les auteurs qui sont là, comme vous l'avez chacun dit, et comment en même temps il y a une volonté de visibilisation des auteurs qui en soi n'est pas forcément, enfin ne part pas d'une mauvaise intention, et donc il y a une ambivalence fondamentale dans ce concept de francophonie. Alors, je vais partager mon écran. Si je retrouve principe, voilà, partager l'écran. Hop. Est-ce que vous voyez tout ? Oui. Alors. Attendez, par contre, parce que moi, j'ai tout qui se superpose. C'est pas la chose la plus pratique qui soit. Voilà, donc là, on va examiner comment cette vision des choses a pu, alors certainement malgré les intentions louables de leurs acteurs, influencer les institutions, la chaîne du livre et enfermer les auteurs dits francophones dans une mécanique ambivalente de valorisation-assignation qui, à terme, procède surtout d'un enfermement. Alors, encore une fois, on n'est pas là pour donner des bons ou des mauvais points, c'est pas notre rôle. Notre objectif, c'est d'essayer de comprendre par quels biais intellectuels, sans malveillance, on aboutit à un traitement discriminatoire des auteurs dits francophones. Alors, on risque d'avoir l'air de tirer à boulet rouge sur un certain nombre des gens qui sont présents aujourd'hui. Ce n'est pas du tout notre intention. Et justement, je remercie particulièrement Emmanuel Jasselier qui a bien voulu, parce qu'on va parler de la BNF, qui a bien voulu être présent aujourd'hui pour répondre à nos questions et pour réagir à ce qu'on va dire. Donc voilà, on commence par la Bibliothèque nationale de France. Alors, on l'a vaguement évoqué, Amanda l'a évoqué à l'instant. À ce niveau, il y a deux choses. Il y a le catalogage d'une part et ce qu'on appelle d'autre part la médiation culturelle. Par catalogage, on entend classement rationnel et par médiation culturelle, on envisage la façon dont les œuvres sont présentées au public de sorte à encourager la lecture, de sorte à guider les lecteurs. Nous allons examiner les deux aspects, sachant qu'en l'occurrence, en ce qui concerne la BNF, les choses ont évolué, qu'elles continuent d'évoluer plutôt dans le bon sens, mais non sans présenter certaines lacunes.
Donc Emmanuel Vasselier, qui est directeur du département des métadonnées à la BNF, pourra nous en dire certainement plus et nous parler des évolutions. Peut-être davantage, je pense, sur le catalogage que sur les problématiques de médiation culturelle. Alors, un certain nombre des captures d'écran du site de la BNF que nous allons vous montrer ne sont plus d'actualité, ça, il faut l'avoir présent à l'esprit, mais voir par où on est passé permet de mieux comprendre où on en est aujourd'hui d'une certaine façon. Donc là, vous le voyez, au-delà de la définition du champ d'étude des auteurs francophones, on va voir que la classification littéraire des œuvres elles-mêmes n'est pas neutre, et le biais, en l'occurrence, va être rendu particulièrement visible par la confrontation de deux présentations du portail francophone qui ont quelques années d'écart. Alors, tout d'abord, la définition des auteurs francophones pose un problème, j'ai envie de dire, d'emblée. On en fait une question de nationalité. Hein, si je lis, les écrivains francophones viennent du monde entier et écrivent en français. De plus en plus connus et lus dans le monde, ils constituent une littérature étrangère à part. Et comme c'est souvent le cas, en termes de justification, on nous cite des grands auteurs tels que Amadou Kourouma, Michel Tremblay, Ferdinand Ramu, Aimé Césaire. Alors, tout d'abord, la définition des auteurs francophones, elle est un petit peu spécieuse. Hein. On a fait une affaire de nationalité, alors que vous avez été plusieurs à le dire, il ne s'agit pas du tout de ça. En tout cas, il ne devrait pas s'agir de ça. Si on continue, on peut lire également. Donc là, on est en 2021. La BNF entretient avec les pays francophones des liens de solidarité et de partenariat qui permettent une vaste collecte de leurs productions littéraires diverses et dynamiques. Un petit peu plus loin, on est toujours sur cette même page. Les auteurs marquants sont représentés, tels Léopold Sédar Senghor, Michel Tremblay, Ferdinand Ramu, Aimé Césaire ou Driss Schreiby. Donc déjà, on le voit, il y a une forme de ségrégation. On va mettre à part ces auteurs et ne pas les classer dans une littérature française, quand bien même ils sont de nationalité française. On notera aussi une approche vaguement paternaliste, hein, quand on parle de liens de solidarité et de partenariat. On n'est pas loin de dire « Ah, les pauvres, on va les aider ». En creux, on voit une espèce de hiérarchisation. Hein, c'est ce qu'évoquaient déjà certains auteurs en disant que Fatou Madium notamment, en disant que quelque part, chez certaines personnes, quand on parle de francophonie, on laisse entendre qu'il y a d'un côté la littérature française et que la francophonie serait une espèce de sous-catégorie de la littérature française. Et évidemment, on évoque des grands noms comme argument d'autorité, tout en reconduisant, et ça me paraît quand même plus grave, un certain nombre de clichés racistes, comme on peut le voir avec le terme de vitalité, hein, qui renvoie à un lexique qui procède davantage du domaine physique que du domaine intellectuel. La même chose hein, avec cette idée de partenariat de pauvres personnes qu'il faudrait aider. Alors ça donc c'est en 2001, les choses ont un peu changé. Là on voit c'est la même page mais version 2023, avec toutefois cette idée que la littérature francophone, loin de constituer une périphérie de la littérature française, la francophonie littéraire témoigne par l'importance croissante des écrivains de langue française hors de l'Hexagone. Donc, quelque part, cette idée de ségrégation est un petit peu renforcée. On sent bien que dans le choix des mots, il s'était agi de faire quelque chose d'un petit peu moins choquant, d'un petit peu plus acceptable, mais je ne suis pas sûre que ce soit mieux pour autant. Les choix lexicaux, pour autant, sont plus neutres sur l'ensemble de la page. Donc ça, c'est plutôt un mieux, hein. On voit que le jugement de valeur qui était présent en 2021 a été gommé, l'accent est mis sur la diversité des genres littéraires, sur l'événementiel. Donc on retrouve aussi des guides de voyage, des bandes dessinées, des ouvrages sur l'art et la musique. Le portail francophonie présente des événements culturels des pays francophones. Mais on peut se poser la question de ce qu'est un pays francophone dont la France serait exclue. Je vous rappelle qu'on parle des écrivains de langue française hors hexagone, en l'occurrence. Et pour autant, la classification demeure sans remise en question réelle. Alors certes, on a une modification, j'ai envie de dire, cosmétique des termes employés, mais pour autant, on ne sort pas de ce cadre de la francophonie que vous êtes plusieurs à avoir dénoncé plutôt dans ce webinaire. Ensuite, on a la question des entrées thématiques. C'est-à-dire, là, pareil, on va procéder un avant-après, hein, avec le avant à gauche, le après à droite.
c'est comment on entre, pour un lecteur qui a envie de s'intéresser au sujet, comment il entre en contact avec la francophonie, ou en tout cas avec les auteurs francophones. Alors là, c'est pareil, hein, on est en 2021, on va avoir littérature française, littérature francophone, littérature classique, littérature française contemporaine, littératures étrangères et iconographie. Ce qui veut dire qu'on a un classement à la fois qui est chronologique, qui est par type de document, et on retrouve cette même incohérence qu'on a déjà dénoncée entre francophone, français, étranger. Donc ce qui est un petit peu, ce qui est effectivement un petit peu particulier, on arrive en 2023. Donc on a toujours une classification sur critères linguistiques, c'est-à-dire qu'on va avoir littérature française, littérature francophone. Vous m'excuserez, j'ai un petit peu de mal à lire. On va avoir également une classification par critères chronologiques, avec les lettres classiques d'un côté, la littérature contemporaine de l'autre. Classification par genre littéraire, ça c'est une nouveauté, avec la bande dessinée, le roman graphique, et bizarrement, on a une classification sur des critères thématiques, c'est un petit peu ce dont nous parlait Amanda tout à l'heure, avec quelque part les tendances femmes de lettres et francophonie. C'est-à-dire que là, on voit que c'est davantage une entrée thématique. On a un amas d'auteurs du monde, hein, dont certains sont français, mais hors hexagone. Donc, est-ce que les auteurs qui répondraient aux deux catégories, ça c'est peut-être Emmanuel qui pourra nous en parler, est-ce qu'un auteur qui serait à la fois français, mais qui serait associé à la francophonie, on pourrait accéder à son œuvre par les deux entrées? Je ne sais pas exactement, mais ce serait intéressant de savoir ça, parce qu'effectivement, l'informatique propose des solutions peut-être qui ne sont pas possibles dans une librairie physique. On voit bien à ces hésitations et ces incohérences dans la manière d'entrer en contact avec les œuvres que la seule constante, bah, c'est une forme d'incohérence qui, à mon sens, est surtout le signe du fait que la classification francophone n'est pas satisfaisante sur le plan intellectuel. On a un autre problème, là, pour le coup, ça concerne davantage les fiches auteurs et les fiches sur les œuvres. Je pense Caroline, que ça... Oui. Juste sur la vignette précédente, dans la définition de la littérature française et dans la définition de la littérature francophone, est-ce qu'il y a des différences, des manières de rappel? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la littérature francophone, c'est les auteurs du monde. On retrouve un petit peu cette idée de littérature monde qui est, je pense, un petit peu fourre-tout. Et la littérature française, elle, a un petit peu les honneurs de l'histoire critique, le corpus. Enfin, on a un traitement qui est beaucoup plus académique quand il s'agit de littérature française que quand il s'agit de littérature francophone. On voit que même les critères selon lesquels on va examiner les choses ne sont pas les mêmes. Donc, autre problème au niveau de la classification, c'est le problème du zonage géographique, où là, on a aussi un certain nombre d'incohérences. Donc là, vous voyez, la Martinique appartient à la géographie du reste du monde, ce qui est déjà un petit peu spécieux en soi. Pour rappel, hein, au plan légal, la Martinique, c'est une collectivité territoriale unique, ça c'est la désignation juridique officielle. Et donc on retrouve un petit peu cette idée qu'on avait précédemment, les auteurs du monde, la géographie du reste du monde. On a encore cet aspect un petit peu fourre-tout dans la classification. Et du coup, les départements métropolitains sont répertoriés France, hein, comme là on le voit avec la Sarthe et avec la Haute-Corse, quand bien même la Corse et la Martinique ont le même statut juridique. Donc on voit bien qu'il y a une différenciation qui est faite entre différents territoires, alors qu'ils vont avoir le même statut juridique, mais simplement l'un appartient à l'Hexagone et l'autre non. Alors évidemment, on pourra nous dire, et c'est un petit peu ce qu'a commencé à nous expliquer Amanda, que tout ça se destine aux lecteurs, qu'il s'agit surtout de faire en sorte que les œuvres soient lues, que les critères peuvent être effectivement arbitraires, que possiblement il faudrait les changer, qu'on se tourne naturellement vers les tendances du public, et que donc c'est essentiellement de la médiation culturelle, mais comme on le voit, il y a des biais et il convient de les interroger, d'autant qu'en l'occurrence, ils sont posés avec l'autorité d'une figure institutionnelle,
et présentés comme des critères scientifiques. C'est d'autant plus problématique, on va le voir, que ces catalogages destinés à faciliter l'accès du public au texte ont une incidence très concrète sur la vie des auteurs contemporains parce que la BNF agit en matière de pratique professionnelle comme un prescripteur. Et on va voir avec le CNL qu'un certain nombre de catégories qui sont mises en avant par la Bibliothèque nationale de France sont reconduites et qu'effectivement, pour le coup, ça va avoir vraiment des conséquences très, très directes sur la vie des auteurs. Alors. Donc, pour ce qui concerne le CNL, on a invité le CNL à participer à ce webinaire. On n'a pas eu de réponse, on le regrette, parce qu'on aurait pu avoir effectivement des réactions, je pense, très intéressantes. Oh, excusez-moi, je me permets de vous interrompre. En fait, je suis vraiment désolé, je n'avais pas compris l'heure de finalité de ce webinaire. En fait, à la demi, il faut que j'aille chercher ma fille à l'autre bout de la ville où j'habite. Et je suis vraiment coincé, je la laisse toute seule à l'autre bout, sans transport, si ce n'est pas le cas. Donc, si vous avez besoin d'une intervention de ma part, ça va peut-être être... Peut-être une réaction rapide, du coup, à ce qu'on vient de... Je suis vraiment désolé pour le niveau de programme, mais mon DG ne m'avait pas précisé les horaires, je me retrouve un peu coincé. Je quitte la réunion, parce que voilà, la Nounou part, et je ne peux pas continuer. Voilà. Okay. Wilfried, merci beaucoup, Wilfried. Et puis, Emmanuel, je vous en prie, allez-y. Oui, tout à fait, avec vraiment une difficulté, ce que vous soulevez, parce qu'effectivement, vu de l'extérieur, c'est sans doute une institution très monolithique, la Bibliothèque nationale de France. Alors, la plupart des exemples que vous me montrez ne sont pas ceux qui dépendent de ma direction et de mon département. C'est ce qu'on fait un petit peu, à vrai dire. Ce sont des logiques d'éditorialisation au sein de départements dits des collections qui essayent de mettre en valeur, et donc qui dépendent là aussi de la sensibilité, de la sensibilisation sur ces questions des agents en question. Donc là, c'est un peu délicat. Ensuite, il y a quand même des éléments de réponse qu'on peut vous fournir et qu'on avait déjà fourni lors d'une première rencontre avec Caroline et Madame Bessora, avec mon directeur général, c'est-à-dire sur effectivement comment ça fonctionne d'un point de vue international, national et au niveau de ces fameux codes. Parce qu'il y a ça derrière, c'est que des fois, c'est juste des questions de machine, mais malheureusement, on y travaille, mais ce n'est pas si simple. C'est-à-dire, effectivement, au départ, les bibliothèques en fait fonctionnent suivant des logiques internationales. On a vraiment en fait des grandes normes de prescription qui permettent l'échange au niveau informatique des fichiers informatiques entre les bibliothèques sur toutes ces données d'auteurs, de documents, etc., qui sont définies effectivement donc, dans le cadre de BILO, qui est donc la grande instance internationale de normalisation hein, sur tous les domaines professionnels, pas que la littérature. Je suis désolé, il y a un écho vraiment très bizarre. Ces éléments sont définis au niveau international, donc avec l'ISO, et avec une particularité qui est une particularité très anglo-saxonne, c'est de ne pas avoir la même définition de la territorialité qu'en France. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple volontairement extra-français, à savoir, par exemple, pour l'Angleterre, le Royaume-Uni, vous pouvez coder au niveau du Royaume-Uni un auteur, comme vous pouvez le coder au niveau de la Barbade ou de Gibraltar. C'est à ce niveau-là que les codes internationaux dits de pays sont définis par l'ISO. Et donc, pour la France, c'est la même logique qui a été appliquée. La Martinique, la Réunion, la Terra Deli, bon, ça on l'utilise moins pour le cas des auteurs, mais sont codés au même niveau que la France. Il en découle que derrière, au niveau français, il a été décidé, alors historiquement, pendant longtemps, il n'y a pas eu de décision, c'est-à-dire les catalogueurs, suivant leur inspiration du moment, suivant les consignes propres à leurs équipes, cataloguaient un auteur français à France, ou s'il était né à La Réunion ou à la Martinique, pouvait le cataloguer à France ou à Réunion ou Martinique. Souvent, le catalogueur est un animal qui aime la précision et va au plus précis, mais aurait fait pareil sur un auteur né à la Barbade ou à Gibraltar, sans avoir derrière de réflexe nécessairement identitaire par rapport au Royaume-Uni ou à ses anciennes colonies. Ça, c'est un vrai enjeu, donc on a eu vraiment un gros travail par rapport à ça sur les auteurs de refonte, avec encore quelques incohérences. On hérite des codes, on hérite aussi, là, il y a la partie humaine, hein, c'est-à-dire on essaye de faire ce qu'on appelle du contrôle qualité régulièrement, c'est-à-dire de personnes qui ont gardé des réflexes, voilà, sans nécessairement derrière qu'il y ait de position, hein, entendons-nous bien, politique ou identitaire, enfin je n'espère pas. Voilà un peu pour le premier enjeu. Ensuite, on a aussi effectivement un énorme enjeu de retravailler sur les classifications. C'est quelque chose qui est lancé dans le cadre de ce qu'on appelle la transition biographique en France, c'est-à-dire la réforme un peu de nos codes de catalogage.
sur justement tous ces éléments liés au lieu, liés aux nationalités, liés aux éléments de langue. Alors, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi d'autres aspects hors ce contexte, mais voilà, qui participent là-dessus. Et où il y a une feuille de route qui est mise en place, en particulier, je suis assez sensible à l'exemple que vous avez mis sur la Martinique versus contre la Corse, entre guillemets, alors qu'on est sur les mêmes statuts, c'est-à-dire un énorme travail à faire sur ces éléments-là. On a aussi les questions de genre, donc j'ai bien compris que ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais qui là aussi est un enjeu assez important, avec une boussole, entre guillemets, normalement, bon, qui est très mal appliquée sur les exemples que vous avez donnés, mais une boussole qui devrait être celle de toute institution publique dans le cadre du traitement de ces données, c'est-à-dire celle de la loi française. C'est-à-dire, effectivement, nous sommes des établissements opérateurs de la fonction publique. À partir de là, nous devons appliquer la loi française. Donc, je prends volontairement les deux exemples qui nous animent, c'est-à-dire effectivement la nationalité martiniquaise, par exemple, n'est pas reconnue. Le code pays, c'est la France, indépendamment du lieu de naissance, que ce soit la Réunion, la Martinique, Bourg-en-Bresse ou la Corse. Ça, c'est le premier élément. Idem sur la partie pour le genre, c'est-à-dire pour l'instant, la France reconnaît deux genres, le féminin, le masculin, qui fait qu'on a en ce moment énormément de problèmes pour coder d'autres auteurs qui ne se reconnaissent pas dans ce genre, qui fait qu'on s'en est tiré en créant une catégorie indéterminée, qui est vraiment très, très, très insatisfaisante, mais qui, en attente de l'évolution du droit français, nous permet de jouer joker, parce que c'est de ce niveau-là, je l'avoue. Alors, pour répondre ensuite sur la question effectivement du plurilinguisme, c'est quelque chose effectivement qui est assez complexe, parce que là aussi, on dépend de normes au niveau international qui disent la langue d'un auteur, c'est celle dans laquelle il a produit des documents, des œuvres. Que ce soit des livres, mais ça peut être des articles dans des périodiques, ça peut être un enregistrement sonore parce qu'il est chanteur, parce qu'il est enregistré dans le cadre d'un documentaire ou d'une fiction, enfin, ainsi de suite. Il peut être auteur d'un blog sur Internet, ce genre de choses. Et on a énormément d'auteurs, effectivement, qui s'expriment dans plusieurs langues, se faisant dans ces éléments-là. Donc, on a une capacité à coder les différentes langues, mais effectivement, on retrouve aussitôt sur un code multilinguiste qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est là aussi une sorte de défaut, de catégorie par défaut, qui n'exprime juste que la personne par rapport encore à ses codes de langue, définis là aussi par une norme ISO au niveau international. Eh bien, il coche plusieurs cases. Ça ne va pas plus loin, c'est assez insatisfaisant dans beaucoup d'aspects, mais c'est l'élément. On peut avoir le même problème sur les doubles, triples nationalités. Je ne parle même pas des apatrides quand on remonte dans les auteurs dans le temps qui appartiennent à des pays qui ont disparu entre-temps ou autres. C'est un vrai problème là aussi. Les bibliothécaires, faute de mieux pour pouvoir classer, parce que c'est ça le gros problème de nos données, c'est qu'il faut qu'elles soient toujours classées, y compris des données qui sont extrêmement difficiles à mettre en place. Donc, c'est facile, effectivement, que la personne n'a qu'un lieu de naissance. Quand il a plusieurs nationalités, on a des règles qui permettent de gérer par rapport à la nationalité déclarée de l'auteur, mais aussi par rapport à d'autres éléments, comme par exemple la nationalité qu'il déclare. Et ça, c'est un enjeu vraiment important, c'est-à-dire, on établit notre activité, dans le cadre de la Bibliothèque nationale de France, dans le cadre du dépôt légal, c'est-à-dire toute production culturelle, scientifique, que ce soit un livre, un périodique, un DVD, un site, même maintenant des productions dématérialisées, sont soumises à cette loi du dépôt légal et à l'obligation pour l'éditeur, le diffuseur, d'en fournir des exemplaires à la Bibliothèque nationale de France afin de garder une trace de l'ensemble du patrimoine de la production culturelle française. Et quand je dis française, c'est au point de vue territorial, hein, y compris Martinique, La Réunion, etc. Là, c'est vraiment le premier enjeu. Et d'en faire le signalement dans ce qu'on appelle la bibliographie nationale française, qui est le récapitulatif chaque année de l'ensemble de cette production, auteur, titre, sujet abordé, éditeur, etc., etc. C'est vraiment l'enjeu qu'on a là derrière. Et dans ce cadre-là, en fait, les données nous sont fournis par les éditeurs, effectivement, qui font que, y compris dans des processus actuellement, par exemple, pour vous donner une idée, il y a près de 90 000 livres produits chaque année en France et collectés par la Bibliothèque nationale de France. Il y a, pour la musique diffusée de façon dématérialisée, on va, une fois que les grandes majors auront été signées dans la convention, mais c'est pour bientôt, on va arriver à terme à 200 000 albums par an. C'est quelque chose d'énorme où les équipes modeste de la Bibliothèque nationale de France, certes, elle se compte en dizaines de personnes, mais ne peuvent pas tout traiter à la main. Donc, de plus en plus d'automatisation des données que nous fournissent les éditeurs depuis leurs fichiers qui sont transcrites telles quelles. Et là, il y a un vrai enjeu, effectivement, parce qu'on dépend de ce déclaratif
On a des programmes qui nous permettent, comme sur les questions, par exemple, de code pays, où on, afin de pouvoir associer Martinique à France et qu'on arrête d'avoir Martinique en entrée, on peut travailler de façon automatique. Il y a d'autres choses qui nous sont, comme la langue, qui pour l'instant sont beaucoup plus complexes, car il est impossible de vérifier si, effectivement, l'auteur, c'est vraiment sa langue. Peut-être qu'un jour, avec l'intelligence artificielle, on pourra combler avec les documents qui seront arrivés. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc vraiment, il y a des enjeux là-dessus. Et il y a un travail déjà de sensibilisation des auteurs à comment les éditeurs déclarent justement ces données-là, ces données personnelles des auteurs. Ce sont des données extrêmement précieuses pour nous qui nous permettent de signaler dans une volonté vraiment, et c'est ça la logique de l'État, de signalement et de valorisation de la production éditoriale française au sens vraiment le plus global du terme. Mais avec cette difficulté, effectivement, nous sommes dans des processus très industrialisés où nous dépendons énormément des données fournies par les éditeurs qui sont souvent très peu sensibilisés en réalité à ces questions-là. Voilà, avec toutes les insuffisances de l'institution. Merci Emmanuel. Voilà. Caroline, on passe peut-être au Centre national du livre. Absolument. Et on va voir comment justement, une des problématiques, c'est qu'effectivement, la médiation culturelle, au-delà du catalogage dont est responsable Emmanuel Jasselier, peut avoir une influence sur d'autres institutions étatiques. Donc, si vous me permettez, je vais revenir à mon partage d'écran. Voilà, donc au niveau du CNL, vous le savez certainement, hein, une de ses missions, c'est le soutien aux auteurs contemporains. Et là, on va étudier la question de la bourse d'aide à la création de romans. Donc en fait, le tableur est fait de façon assez simple, hein, c'est-à-dire que dans la colonne de gauche, vous avez un code que seul l'auteur qui a fait une demande d'aide connaît. Enfin, il connaît lui seul son code personnel, de sorte à anonymiser en fait les avis qui sont les avis de la commission dans la colonne centrale, et ensuite l'avis rendu par la commission que vous avez dans la colonne de droite. Donc, on a pris trois exemples de dossiers. Le premier, on a donc comme justification de l'avis plusieurs titres publiés en auto-édition, le projet et la suite de son dernier roman entre thriller et fantasy, si on peut se prendre au jeu d'une histoire où le suspense est sans cesse relancé, les images faciles et trop attendues et la fausseté de certains dialogues finissent par lasser, avis défavorable. Deuxième roman, beau dossier, humilité dans la présentation, projet très défini et convaincant, indéniablement une voix de la francophonie, avis favorable. Troisième roman, roman policier très documenté, parfois trop long, pas de grand intérêt littéraire, dossier non prioritaire. On se demande ce que veut dire non prioritaire, avis défavorable. Donc là forcément ce qui nous pose question, hein, c'est cette idée que la francophonie est un argument au même titre que des critères d'ordre littéraire comme la qualité des images, la qualité des dialogues. C'est un petit peu curieux d'avoir ça sur le même plan. Et même au-delà de ça, disons que l'identité que l'on attribue à un auteur sont mises sur le même plan que ses compétences en termes d'écriture, ce qui, in fine, peut être vu comme une forme, j'ai envie de dire, de condescendance. Alors, pourquoi cet auteur est-il renvoyé à son humilité et à son origine, alors que des auteurs dont les dossiers sont d'ailleurs refusés, hein, donc a priori dont les œuvres sont jugées comme étant moins bonnes, ont le mérite de recevoir un avis défavorable sur des critères qui en eux-mêmes sont plus valorisants. Et sur le site du CNL, toujours, on voit que la notion de francophonie est un élément de communication. C'est-à-dire que le soutien à des auteurs francophones est affiché comme quelque chose de valorisant pour l'institution. Alors avec toutefois une séparation un petit peu malheureuse, hein, qui reprend les catégories de l'abbé Grégoire sans qu'on puisse forcément voir une volonté du CNL de reconduire, hein, ces clichés-là, où on voit que d'un côté, on va avoir les auteurs originaires de pays de la francophonie, ils écrivent en français et sont traduits dans le monde entier, avec Alain Mabankou, Beata Mérès, Scholastique Mukasonga, et de l'autre côté, les auteurs qui choisissent le français comme langue d'écriture. Et quelque part, si on regarde bien, on se retrouve avec le même genre de catégorisation que celle de l'abbé Grégoire, où on va avoir d'un côté ceux qui sont anglais, ceux qui sont allemands, danois, suédois, et qui vont éventuellement choisir le français comme langue
comme langue d'expression, et de l'autre côté, les nègres et sans mêlée, hein, je cite l'abbé Grégoire, donc avec cette espèce de reconduction de mode de pensée qui est un petit peu malheureux, même si effectivement on ne dit pas aujourd'hui que le CNL l'a fait de façon strictement volontaire, mais on va dire que c'est quand même, en l'occurrence, un élément de communication qui est un petit peu malheureux, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté les auteurs francophones blancs et de l'autre côté les auteurs francophones noirs ou métis. Alors on retrouve le même genre de mise à part qu'avec l'abbé Grégoire. Je ne sais pas si ça inspire certains d'entre vous. Hein. Ça ressemble un petit peu aussi à ce qu'avait dit Shumona en nous disant que malheureusement, elle se sentait un petit peu exclue de la francophonie telle qu'elle était décrite sur le plan historique. Mais disons que c'est quand même quelque chose de particulièrement spécieux. Ok, Shumona, ton micro. Deux commentaires rapides, merci Bessora. Premièrement, merci Caroline de l'avoir fait remarquer. C'est effectivement un manque, un vide, parce qu'il y a quelques auteurs indiens. Quand je dis indiens, c'est qu'ils ne sont pas de l'île Maurice ou autre, puisque dans les arrière-grands-pères ou grands-grands-parents n'ont pas choisi la France ou les pays francophones comme leur lieu de destination pour vivre, c'est qu'ils vivent aujourd'hui encore en Inde, soit à Pondichéry, soit à Delhi, soit à Bombay, et qu'ils écrivent en français. C'est extrêmement rare, mais ça existe. Et donc voilà, cette francophonie des auteurs indiens, ça mérite d'être mise en valeur, premièrement. Je ne parle pas de moi, je parle de ces auteurs indiens, trois ou quatre qui existent à peu près, sans avoir un lien de vie, de résidence depuis des générations dans des îles ou en France métropolitaine même. Premièrement. Deuxièmement, deuxièmement rapide, hein, c'est que je n'ai pas bien saisi le nom de ce monsieur du de la BNF, hein, Bibliothèque nationale. Ce qu'il a dit à la fin, ça m'a beaucoup interpellée. À la fin, il a dit que comment on peut savoir que le livre il est vraiment écrit en français. Ça, je trouve ça une question affligeante et que c'est les éditeurs c'est aux éditeurs de le faire, mais c'est-à-dire les éditeurs font déjà le travail, les éditions font déjà le travail. C'est que si c'est mentionné le titre et le nom de l'auteur ou de l'autrice, sans mentionner le nom du traducteur ou de la traductrice éventuelle, ni sur la couverture ni à l'intérieur, ça veut dire d'emblée que ce livre il est écrit directement en français. Donc c'est déjà un premier indice tout bête, hein. Non, mais bien sûr. Non, pardon, excuse-moi, je ne peux pas vous couper. Ah, alors, voilà, c'est vraiment très mal fait comprendre. Non, c'est vraiment pas fait comprendre. C'est-à-dire, ensuite, dès qu'on est sur le cas des auteurs multilingues, on n'a pas la capacité de savoir quelles sont toutes les langues d'expression qu'il a pu avoir. On est obligé de faire confiance. Comprenez, on a un livre en français typiquement, mais si par ailleurs l'éditeur. Typiquement, ça veut dire Pardon Typiquement, ça veut dire quoi, typiquement? En matière d'exemple, on a un livre en français. On nous dit par ailleurs que l'auteur est aussi d'expression anglaise. Mmh. On est obligé de faire confiance à l'éditeur. Ben oui. On va rajouter le français, vu visiblement, et on va dire qu'il est multilingue. On ne va pas changer sa langue d'expression en français si on nous a dit qu'il était anglais par ailleurs. Ou l'inverse, on nous dit qu'il est français, on nous dit qu'il est sa langue d'expression est française et on a un livre en anglais, on va bien être obligé de rajouter que visiblement ce n'est pas une traduction, qu'il l'écrit aussi en anglais. Indépendamment, peut-être que lui ne se retrouverait pas dans cette langue d'expression, c'est vraiment par rapport aux documents fournis, c'est-à-dire de façon factuelle, quelle est la langue des documents dans lesquels il intervient. C'est assez visible, non? C'est assez visible quand vous voyez un auteur ou une autrice qui est publié de telle maison d'édition et que le titre, il est là, le nom d'auteur, il est là mentionné et nulle part vous voyez... Tout à fait, mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup... Oui, j'entends, mais il y a beaucoup de traductions aussi, où là, le signalement des traductions des langues originales est quelque chose que les éditeurs font plus ou moins bien. Il faut bien voir que l'écosystème des éditeurs en France est un écosystème très diversifié avec divers niveaux de professionnalisme. Il n'y a pas que les grandes maisons, il n'y a pas que Galligrasseuil, il y a aussi des maisons plus petites qui font avec des moyens plus amateurs, qui sont moins sensibilisés à ces questions-là, objectivement. Et puis, il y a beaucoup de productions aussi où des gens, maintenant, travaillent sur plusieurs pays et pas nécessairement pour les mêmes ouvrages. En particulier, il n'y a pas que la fiction, il y a les documents. Documentaire, il y a des gens qui sont des interprètes dans des chansons, je parle vraiment auteur au sens très large. Oui, j'ai compris, ça j'ai compris. Merci. Mais je pense.
Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va rester comme un point d'interrogation ouvert pour moi, et puis je vais m'interroger, et je vais interroger autour de moi à des professionnels, parce que on a compris, on s'est compris, je pense, ça reste un point d'interrogation assez ouvert pour moi. Voilà. Peut-être, merci, Emmanuel. Merci, Caroline. Oui, Caroline, et puis après, on revient. Vas-y, Caroline. Peut-être, Emmanuel, rappeler que justement, sur les fiches auteurs, il est possible de notifier à la BNF quand il y a des erreurs. Oui, non, mais exactement. Par ailleurs, il y a ensuite aussi la possibilité d'erreurs humaines. Entendons-nous bien, sur le processus que je viens de vous écrire, il y a la probabilité qu'il y ait aussi des erreurs bêtement humaines. Et donc là, il y a la capacité, par le catalogue, en s'adressant à la Bibliothèque nationale de France, il y a marqué un bouton qui s'appelle « Signaler une erreur » et qui vous permet, sur une fiche auteur, de dire « Bonjour, je suis l'auteur » ou « Je suis l'ayant droit de cet auteur » et telles informations sont fausses. Alors évidemment, on vous demandera des justificatifs pour éviter que n'importe qui s'arroge une identité qui n'est pas la sienne, mais l'enjeu est vraiment là, c'est de pouvoir corriger ces erreurs derrière. Hein. Par rapport à ça, l'institution ne prétend pas être infaillible sur ces questions-là, et il y a vraiment un enjeu là-dessus d'avoir les informations les plus fiables possibles. Ok, on va avancer. Excusez-moi, on va avancer, on va terminer. Elgas, je vous passe la parole. Peut-être juste après, on avance un peu. Alors, après le CNL, on va passer à l'Institut français. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc, l'Institut français est un établissement public. Voilà, et qui a trois missions. Ces missions qui sont affichées à l'écran et qui impliquent l'internationalisation des créatrices et créateurs français, le dialogue instauré avec les créateurs et créatrices et l'amplification de l'action du réseau culturel français à l'étranger. Donc, il résulte de ces missions que des auteurs peuvent être sollicités dans des rencontres ou avoir accès à des dispositifs de soutien ou à des résidences. Alors, comme dans les cas précédemment présentés, il peut aussi, là, y avoir des assignations à l'altérité. D'ailleurs, sous l'impulsion de sa directrice du livre, l'Institut a organisé dernièrement une journée de réflexion sur les questions qui nous occupent aujourd'hui et aussi sur la question de l'appropriation culturelle que nous aborderons bientôt. Et ce qui peut questionner l'Institut français aujourd'hui, c'est, par exemple, ce mail qui s'adresse à un auteur et qui vient d'un institut français et que je vous lis. Donc, un institut français écrit à un auteur. Je souhaiterais savoir si vous seriez disponible à animer la conférence plénière du temps. Il s'agirait de parler de francophonie et de l'importance de la langue française dans votre vie et dans votre travail d'écrivaine. Donc, le travail de l'auteur en question, son œuvre, n'a aucune importance. Elle est invitée à faire l'éloge de la francophonie et de la langue française. Et il y a, dans la formulation, quelque chose de l'ordre d'un préjugé. D'emblée, l'expéditeur du mail semble considérer que le français n'est pas la langue maternelle de l'auteur en question. Et on peut se demander sur quoi il s'appuie pour le présupposer. Alors, bon. Je vous dis tout, l'auteur, c'est moi, mais qu'il s'agisse d'un exemple personnel n'a pas d'importance ici. Cet exemple illustre simplement une situation qui est très courante et dont d'autres pourraient assez largement témoigner, dont ils témoignent d'ailleurs, mais rarement publiquement. Je passe à un autre exemple. Ici, on est sur le site de la médiathèque d'un institut français à l'étranger. À gauche, on a la fiche de Delphine de Vigan. Alors, Delphine de Vigan, elle est enregistrée dans une collection littérature française. Dans la même fiche, on voit plus bas qu'elle est cataloguée dans une section adulte roman. Sur la droite, on a Natacha Apana, dont on parlait tout à l'heure. Alors, Natacha Apana, elle n'est pas enregistrée dans une collection littérature française, mais dans une collection francophone. On pourrait nous opposer qu'elle est de nationalité mauricienne. Mais ça ne semble pas être un critère de classification parce qu'on trouve dans cette même collection francophone des auteurs de nationalité française, mais qui, comme Natacha Apana, ne semblent pas blancs de peau. Enfin, sur la même fiche de Natacha Apana, on voit qu'elle est cataloguée dans une section adulte et dans une section francophone, comme si son métier n'était pas d'être romancière. C'est-à-dire que d'un côté, on a adulte roman et de l'autre côté, on a adulte francophone.
Donc, encore une fois, l'Institut français a entamé une réflexion sur ces questions. Et ce webinaire, les questions que nous posons comme syndicat, ne vise qu'à défendre les intérêts moraux des auteurs, leur liberté, et aussi à engager les uns et les autres, en particulier les institutions, à une réflexion collective. On va passer maintenant aux médias avec des exemples. Ici, on est sur le Monde en ligne. Donc, ce n'est pas la même équipe éditoriale que le Monde papier. Hein. Et donc là, il s'agit d'une brève où on nous présente des auteurs. Et donc, on nous parle de l'Américain William Volman, qui nous balade dans une horrifique et somptueux bestiaire, le Britannique Will Self, qui revient sur ses années de toxicomanie terrible et délicieuse, la francophone Bessora, qui évoque dans un roman l'histoire des enfants allemands aryens qui furent envoyés en Afrique du Sud dans les années 40, et l'historien américain Robert Darnton, qui livre la passionnante synthèse de ses travaux sur la circulation du livre en France et en Europe avant la Révolution. Alors, ce qui frappe ici, c'est que, comme plus tôt, on retrouve encore la représentation quasi-raciale qu'on a vue au travers de la dédicace de l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire qui distinguait des Français, des Danois, des Allemands, des Anglais, qui avaient une nationalité, de nègres et de sang mêlé, qui n'avaient aucune nationalité. Deux siècles plus tard, on a dans ce papier un Américain, un Britannique, donc des auteurs qui ont une nationalité, et une francophone, dont que Grégoire aurait appelé une sans-mêlée. Bref, cette catégorie francophone semble bien souvent utilisée comme une catégorie ethnique et non comme une catégorie linguistique telle que l'avait comprise Grégoire Paulet au début ou Anna Moy. Cette confusion, à savoir que dans bien des cas francophones, finalement, ça veut dire noir, sans mêlée ou non blanc, donc Shumona, tu es incluse, ça nous amène à d'autres assignations qui assument leur essentialisme. Par exemple, ici. Ici, on est sur le journal Vogue. Donc, on a 6 romans d'auteurs noirs à lire absolument. Souvent dévastatrices, parfois remplies d'espoir, toujours éclairantes, ces œuvres majeures illustrent les injustices subies au quotidien par la population noire du monde entier. Donc, à en croire cet article, voilà, les nègres et les sans-mêlés de Grégoire sont devenus la population noire du monde entier, comme si tous avaient la même histoire et la même souffrance en partage, comme si Condoleezza Rice, l'ancienne secrétaire d'État américaine, et Marine Ndiaye, qui est autrice, par exemple, étaient comparables. Et à en croire cet article, la population noire, c'est le sujet d'auteurs noirs sur les thématiques précises que sont la discrimination, les inégalités. Alors, loin de nous l'idée de remettre en cause les auteurs qui se reconnaîtraient dans cet énoncé, notre intention, c'est de pointer les effets possiblement délétères de cet essentialisme. Parce que si vous êtes auteur nègre, sans mêlée, indien ou ce que vous voulez, et que vous écrivez un polar qui se passe en Corée, vous aurez peu de chances d'être publié, à moins peut-être d'abjurer votre couleur. De même, si vos héros sont des enfants allemands et que vous avez été publié, on va vous poser la question de la légitimité. Et cette question, elle nous amènera tout à l'heure à la question de l'appropriation culturelle, parce que c'est de ça dont il s'agit. Mais d'abord, un dernier exemple, celui-ci. Alors là, on est dans les inrocuptibles. Et donc, on a 7 écrivains neufs, afro-américains neufs, à relire d'urgence. De Chimamanda Ngozi Adichie à James Baldwin, en passant par Toni Morrison et Ta-Nehisi Coates, les auteuristes afro-américains neufs ont depuis longtemps fait du racisme et de la ségrégation les enjeux de romans puissants. Ils, elles, sont les premières R à avoir témoigné de l'horreur de la vie des Noirs, eux, aux États-Unis. Les écrivaines, eux, celles qui font passer une expérience, la leur, personnelle et universelle, celle de leurs amis, eux, celle de leur famille, aux lecteuristes, tous, qu'ils, elles, soient noirs ou blanche. Alors là, on comprend plusieurs choses. Que ne peuvent écrire sur les Noirs que des Noirs, que les amis et la famille de ces Noirs sont aussi des Noirs, parce que les Blancs ne se mélangeraient pas à eux, et réciproquement, que les textes de ces Noirs sont destinés à des Noirs, mais aussi à des Blancs, dont on comprend qu'ils sont essentiellement différents, séparés,
et que les Noirs et les Blancs constituent l'ensemble des lecteurs. Donc, Shumona, je te parle de Noirs, on parle de Noirs, mais on pourrait dire non-Blancs, enfin, parce que c'est plus large. J'ai compris. Alors, en librairie maintenant. Alors, Amanda, tout à l'heure, nous a fait un exposé assez long et très précieux. Donc, on observe les catalogages dont elle a parlé. Elle nous a expliqué pourquoi. On va prendre ici l'exemple d'Amazon France. Alors, voilà, par exemple, sur Amazon, c'est un peu comme à la FNAC. Sur Amazon France, tous les auteurs qui écrivent en français sont en francophonie, quelle que soit leur nationalité. Mais il y a des subtilités, vous voyez. Il y a des sous-catégories, là. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que, par exemple, dans Afrique noire, bah, vous allez retrouver Jean-Paul Sartre, la nausée. Bon, et alors, on a oublié les trois mousquetaires, parce que, comme vous le savez, d'après les définitions qu'on a données, Alexandre Dumas, c'est un auteur francophone. Bon, maintenant, je vais passer la parole à Caroline pour la dernière partie de cette analyse institutionnelle qui est l'université. Je crois qu'il y a, peut-être Elgas avant, Elgas et Shumona qui voulaient réagir. Non, ça va. Elgas ? Oui, déjà, je vous remercie pour cette documentation complète. J'imagine le travail de fourmi pour aller traquer tout cela. Et c'est très amusant parce que je voulais rebondir sur ce que disait Wilfried tout à l'heure, sur la survivance, justement, sur, en quelque sorte, la perpétuité de ces questionnements-là. Et donc, il avait évoqué l'existence presque d'une industrie, en quelque sorte, de festival, ainsi de suite, pour entretenir la chose. Et je voulais d'ailleurs aller dans son sens, c'est pourquoi je voulais réagir en parlant de diplomatie culturelle française. Voilà, la diplomatie culturelle française, c'est d'ailleurs, c'est pourquoi quand j'ai vu apparaître l'Institut français et tout le reste, j'ai eu un petit sourire parce que c'était exactement ce que je voulais aborder, parce que le rayonnement de la France est indissociable justement de cette interculturalité. Et je vais vous raconter une anecdote. Moi, quand je suis arrivé en France, quand j'ai eu mon bac, c'était déjà l'immigration choisie selon la terminologie sarkozyenne. Et donc, pour peu qu'on ait de bons résultats au lycée, et voilà, la France nous tendait les bras. Et parmi les formations qui étaient proposées déjà, il y avait cette médiation culturelle. Voilà, c'est un terme déjà qui avait une grande épaisseur. Et d'ailleurs, il me semble que statistiquement, c'était la voie qu'investissait la majorité des frais bacheliers. Et puis d'ailleurs, ce terme était très, très mal bordé. Il disait tout et son contraire. Mais en tout cas, on voyait là qu'il y avait une subtilité de la diplomatie culturelle. Et justement, un investissement massif dans ce ghetto qui n'en est pas véritablement un, mais qu'il reste quand même. Parce que d'ailleurs, c'est toute la tonalité de nos discussions aujourd'hui, c'est-à-dire les auteurs ne désirent qu'une chose, déchirer ce baillon-là et puis ce côté très, très étouffant qui les retourne à des origines qu'ils n'ont pas choisies et qui tentent à les renfermer là-dedans. Et pourtant, on a cette forme de force très, très résistante qui continue. Et l'exemple le plus fracassant, il est récent, l'acte qui devait signer le transfert de mon camarade Mohamed Bougarsar du ghetto vers le Paris littéraire, c'était le Goncourt. Et dès le lendemain de la réception du prix, on a ces mots de la bouche de Didier Descoings, président de l'Académie, qui disait « Oui, bon, on a choisi ce livre parce que certaines tournures nous rappelaient des statuettes africaines, ainsi de suite. » D'ailleurs, c'est pourquoi j'avais fait un article aussi sur Jeune Afrique pour défendre mon camarade, parce qu'il laissait dans l'air un refrain très, très malaisant, en quelque sorte, qui disait « On ne l'a pas tellement choisi pour la qualité de la littérature, mais pour le symbole qu'il représentait. » Et donc, je trouvais qu'il y avait là un grave précédent, et c'est pourquoi bon, j'étais un peu monté au créneau dans un média du ghetto, et, excusez-moi, Jeune Afrique, pour parler de mon camarade. Et pour anticiper sur l'appropriation culturelle, moi, j'ai pas refusé l'invitation de l'Institut français à en parler. J'y étais récemment, je pense que ça date d'à peine un mois. J'étais à la Gaîté Lyrique, on avait une table ronde devant les responsables du livre
de l'Institut français et on devait justement disserter sur la question de l'appropriation culturelle. Et donc, je trouvais d'ailleurs que la discussion était très, très mouvementée parce que Nejma Kassim, je crois, avait eu un propos assez détonnant. Et puis, j'étais avec Timothée de Fambel, qui est sous le coup d'une accusation, justement, en quelque sorte, d'illégitimité pour avoir écrit sur l'esclavage. Et donc, j'avais rappelé d'ailleurs que les terminologies sont importantes. Parler d'appropriation culturelle doit se faire après avoir uniquement parlé d'expropriation culturelle. Il me semble qu'il y a là un préfixe qui est important. Et dans nos discussions parfois très rapides, l'appropriation culturelle, on pense que c'est une forme de javelisation, une forme d'empêchement de la création, une forme justement de cancel culture, de woke, toute une série justement de phrases qui viennent justement essayer de disqualifier. Et il me semble que ces aspects-là sont importants. Mais ils le sont à une condition, qu'on accepte justement que parfois on joue le jeu auteur nous-mêmes. Que dans ce système-là et ces assignations-là, parfois, les auteurs y trouvent leur compte. Et d'ailleurs, c'est d'une certaine manière ce que disait Wilfried. Wilfried disait, oui, moi, j'ai eu 17 prix, et sur ces prix-là, oui, c'était essentiellement dans cette catégorie, en quelque sorte, de laquelle je veux sortir. Et d'ailleurs, ça a contribué un peu à lancer ma carrière, et c'est ainsi que j'ai eu ce piédestal-là pour pouvoir sortir du ghetto et embrasser le tout Paris, quoi, en quelque sorte. Donc, il me semble que cette nécessaire question qui nous hante aujourd'hui doit être traitée dans ces deux versants. C'est-à-dire comment, sans les renvoyer dos à dos, sans expliquer qu'on est dans deux lames d'une même cisaille identitaire, mais expliquer que parfois, ces catégorisations-là peuvent parfois nous convenir, dans quelle mesure, je ne le sais pas, chacun son expérience. Parce que pour discuter avec des collègues auteurs blancs, français, qui ne seraient pas tellement concernés par la question, je sens ce qu'ils disent eux aussi, c'est-à-dire l'indifférenciation, en quelque sorte, ce grand monde, en quelque sorte, où il n'y a pas d'identité, ça peut être aussi une forme d'anonymat, en quelque sorte, pour eux, et que c'est terrible, et que l'étiquette, en fait, de l'identité, d'une certaine manière, était un privilège pour nous. Et c'est une discussion assez intéressante que j'avais eue avec lui. Et je pense que, voilà, dans la dimension assez globale de la question, il faut intégrer ces choses-là. Mais je souscris naturellement à tout ce qui a été dit, c'est-à-dire l'acte de création est un acte qui défie justement toutes les assignations. Mais ces assignations-là, il ne faut pas tomber dans l'illusion de les défaire, je crois. Elles ont vocation à nous hanter. Et c'est ce que disait la libraire, j'ai trouvé son propos très intéressant parce que c'était pragmatique, c'était très pragmatique. On fait quelque chose qui marche parce qu'on est dans une économie aussi mercantile. C'est aussi bête que ça. Et je terminerai juste en expliquant qu'il y a un parallèle à faire avec ce que moi j'appelle maintenant cette nouvelle ruée vers l'Afrique qui existe depuis quelques années où le continent est devenu hyper tendance. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des créateurs de mode, vous avez, Chanel qui va à Dakar, ainsi de suite. On projette sur le continent un ensemble de fantasmes qui viennent un peu alléger la charge très violente, en fait, d'un récit capitaliste tout bête. Et on le retrouve d'ailleurs dans ce que disait Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme. Qu'est-ce que c'est que la colonisation? Sinon, la délocalisation, je veux dire, des envies, des entreprises économique conquérante et qui sortent justement de l'Europe pour aller se battre ailleurs. Et donc, je pense que tous ces sujets-là communiquent, mais nous sommes dans un monde où nous sommes dans un bain commun, d'une certaine manière. En sortir, c'est pourquoi j'ai aimé la tonalité de certaines discussions, c'est assumer une chose, la pluralité des identités. Et c'est pourquoi très souvent, je ne parle pas de littérature africaine, je parle de littérature française et africaine, très souvent, parce que je pense que ces identités ne sont pas des identités en conflit, mais que c'est des identités complémentaires. Et que ne pas assumer ces diverses influences-là, la nationalité française que beaucoup d'auteurs ont ainsi de suite, et jouer sur ces aspects de différentialisme identitaire, c'est revenir d'ailleurs dans les quatrièmes de couverture qu'on a vu régulièrement en parlant des livres africains. Je vous invite, je pense que dans la documentation prochaine, vous pourrez faire cette expérience-là. Le nombre de fois où on lit ce livre est plein de truculences, de verbes,
de couleur systématiquement pour parler des livres africains. Bon, enfin, ce n'est pas une attaque vis-à-vis de l'aîné, du grand aîné Alain Mabankou, mais lui qui a été le navire amiral des lettres africaines à Paris à un moment donné, ces livres ont été considérés comme cela. Et puis d'ailleurs, on y trouve parfois notre compte, des gens viennent jeter des termes africains dans cette langue française, en quelque sorte, pour faire couleur locale. Kateb Yassine a parlé de butin de guerre, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il ne faut pas minorer cette dimension de l'auto-assignation, parce qu'elle me semble essentielle aussi dans le débat. Merci, merci Elgas. Caroline, on va sur l'université ? Oui, alors on retourne à l'université. Hein. Alors, une seconde. Voilà, donc là, pour l'université, on a fait un petit exercice, hein, c'est-à-dire qu'on a pris plusieurs plaquettes de différentes formations en lettres, en licence et en master. Et alors, en l'occurrence, je n'ai pas de grief particulier contre Paris 8, mais c'est vrai que c'est Paris 8 hein, qui nous a donné un maximum d'exemples d'assignation identitaire des auteurs de la francophonie. Donc, encore une fois, hein, c'est pas pour tirer à boulet rouge sur une personne en particulier. Ce qu'on va voir là, chez Paris 8, ça se retrouve aussi dans d'autres universités. Hein, c'est-à-dire que là... La preuve par l'exemple est peut-être plus simple ici qu'ailleurs. Et la plaquette est vraiment faite de façon où tout ce qu'on découvre, on a un peu l'impression que ça va de mal en pis. Donc en fait, on fait une progression assez simple hein, en cherchant les termes francophone, francophonie, et on voit ce que ça nous donne. Donc on retrouve là, comme on le voit, les mêmes incohérences exactement qu'on avait au niveau de la BNF. Je vous lis, donc champ littéraire, unité d'enseignement, chargé de proposer un panorama général relatif à une période particulière de la littérature française et de son histoire, Moyen-Âge, Renaissance, Âge classique, Lumière, 19e siècle, 20e siècle, littérature francophone. Alors qu'est-ce que ça veut dire que les littératures francophones, c'est le 21e siècle ? Enfin, c'est quand même très bizarre d'avoir, avec des critères chronologiques, d'un seul coup, débarque la littérature francophone. On comprend pas bien, d'autant que, comme le disait Grégoire Paulet, Anna Meuil, comme un certain nombre d'entre vous l'ont dit, on ne comprend pas pourquoi à l'université francophone, ce n'est pas simplement un critère linguistique. Et puis alors, on continue, hein, et comme je vous le disais, ça va de mal en pis. D'un seul coup, on a donc la valorisation d'enseignements originaux. Chaque semestre, des cours associant la pratique littéraire à d'autres pratiques artistiques et d'autres pratiques discursives sont proposés afin de faire dialoguer entre elles les disciplines et les méthodes. L'offre de formation est originale dans les sujets étudiés, littérature française et francophone, littérature du monde étudié en traduction, des siècles anciens jusqu'à la production ultra-contemporaine, éco-critique, écologique, littéraire, médias de la littérature, etc. Et dans ces formats pédagogiques variés. Bon, ça nous intéresse d'emblée un petit peu moins. Alors, c'est particulier, hein. J'imagine qu'il s'agit de montrer que la formation, elle est progressiste, mais là, on voit aussi se dessiner des associations d'idées entre francophonie, ultra-contemporain, éco-critique, écologie littéraire. C'est un petit peu curieux, et on va voir que c'est pas neutre, parce que ces critères thématiques deviennent plus ou moins des sujets imposés aux auteurs francophones, quand bien même c'est jamais dit de façon explicite. Mais en tout cas, la francophonie, un petit peu comme on aurait pu dire l'exotisme, semble être un critère d'originalité. Ensuite, on voit ce qui est particulier, c'est que la littérature francophone n'est pas étudiée sous un angle littéraire. Donc là, idem. Donc, unité d'enseignement, valorisant les compétences professionnalisantes, méthode du projet personnel et professionnel, des études littéraires, préparation à la professionnalisation, la préparation, l'animation et la publication des rencontres littéraires avec des auteurs et autrices francophones permet aux étudiantes d'articuler leur connaissance de la littérature avec des compétences pratiques professionnalisantes, préparer un entretien, animer une rencontre, rédiger un compte-rendu, publier et médiatiser une rencontre littéraire et les productions textuelles et visuelles qui en sont issues. Donc voilà, la littérature francophone, elle n'est pas étudiée sous un angle littéraire. Les auteurs francophones sont considérés sous un angle événementiel et professionnalisant. Alors oui, en termes de médiation culturelle, c'est vrai que ça met en valeur des auteurs,
ça crée de l'animation autour de leur œuvre. Ça peut paraître comme quelque chose d'absolument positif pour un auteur contemporain, mais c'est un petit peu comme si ces auteurs-là, on ne leur faisait pas les honneurs d'une reconnaissance académique classique. Ils sont un peu un prétexte à des entraînements professionnels pour les étudiants. Alors après, on continue la lecture de la plaquette et on se dit « Ah, là, on a paysage de la poésie francophone ultra-contemporaine, on va peut-être nous parler enfin de forme, de poésie, avec donc des critères littéraires, sous un angle un petit peu plus dignifiant. » Donc on se dit « Super, c'est peut-être très bien, sauf que quand on regarde le détail, voilà, sauf que quand on regarde le détail, bah, c'est pas ça du tout. » Il n'est quasiment pas question de création formelle, d'avant-garde, d'inscription dans un héritage littéraire. Et si jamais on parle un petit peu de forme, ce qui est possible, parce que fondamentalement, nous, on n'a pas assisté à ce cours, comme je vous dis, c'est simplement la plaquette, ça n'est pas là-dessus qu'on met l'accent, comme on peut le lire, si j'arrive à bouger, voilà. On s'intéresserait en particulier au recueil impliquant une dimension sociale et environnementale forte. Donc déjà un petit peu ce qu'on a dénoncé, à savoir qu'il y a des thèmes imposés à cette littérature francophone. On est donc en plein dans les injonctions de contenu. Alors est-ce à dire que les auteurs francophones pourraient être considérés par l'université, ils ont intérêt à parler de misère et de nature? Franchement, on peut se poser la question. Jusqu'au dernier thème, évidemment, qu'on a déjà évoqué, à savoir celui de la colonisation. Donc, est-ce qu'un auteur francophone doit parler pour avoir un intérêt académique d'écologie, de misère ou d'histoire coloniale? Voilà, je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ça. C'est vrai que ce sont des choses qu'on a déjà évoquées tout au long de cette table ronde, mais là, on a, à mon sens, une vraie démonstration de la façon dont certaines institutions traitent les auteurs dits francophones. Merci Caroline. Donc, il y a des motifs commerciaux, il y a de l'auto-assignation parce qu'on peut y avoir intérêt, mais bon, malgré tout, on peut quand même dire après tout ça, je vais reprendre une formule que Shumona, tu connais bien, finalement un auteur francophone, c'est soit un écrivain étranger qui écrit en français, ou un écrivain français qui a une gueule d'étranger. On a quand même du mal à sortir de là. On va finir maintenant sur la question de l'appropriation culturelle. Merci Elgas de nous avoir rappelé qu'avant la question de l'appropriation culturelle, il y a la question de l'expropriation culturelle. On ne va pas aborder le sujet exactement sous cet angle-là, mais sous un angle qui est quand même voisin, parce qu'on va se demander si les assignations identitaires qu'on a analysées jusqu'ici n'ont pas un lien avec la question de l'appropriation culturelle et de la cancel culture. Est-ce qu'il n'y a pas un effet boomerang? Oui, Elgas? Oui, c'était juste pour vous dire que je dois malheureusement m'en aller à ce moment-là. Donc, voilà, merci beaucoup. Je vous remercie infiniment et puis à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Elgas. Au revoir. Voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui serait de l'ordre de « bon, depuis deux siècles, tu dis que je suis nègre ou francophone et que je dois m'occuper d'histoire de nègre ou de francophonie, ok, dans ce cas, tu es blanc et tu dois t'occuper d'histoire de blanc ». Donc bref, est-ce que l'assignation à l'altérité, dont on pensait qu'elle ne pouvait toucher que certaines catégories dites minoritaires, ça ne toucherait pas désormais tout un chacun? Est-ce que ce n'est pas une conséquence regrettable mais naturelle de ce qui l'a précédé? On va prendre un exemple pour montrer que, en fait, on en parle beaucoup maintenant, mais ça existe depuis très longtemps. Donc, je vais vous partager mon écran et on va prendre l'exemple d'une publication au Cameroun en 2008. Donc, en 2008, un éditeur camerounais qui s'appelle Edmond Mbala Elanga, publie au Cameroun un recueil de nouvelles pour la jeunesse que vous avez à droite. Il s'agit d'un hommage à Nelson Mandela, c'est pour les 100 ans de sa naissance. Je suis sollicitée pour réunir des auteurs autour de ce recueil. Alors, je contacte Pierre Bordage, Kossi Komlaebri, Béatrice Amer, Kofi Kwaoulé, Nimrod et Karine Bernfeld, que vous avez à gauche.
L'éditeur camerounais, lui, sélectionne un certain nombre d'auteurs et le texte est publié au Cameroun. À partir de ce moment-là, il y a un projet de tournée qui est envisagé et c'est un partenariat entre l'éditeur camerounais et le fameux réseau français, donc la diplomatie culturelle française, dont on a un peu parlé tout à l'heure. On me demande à moi de proposer un auteur qui viendrait au Cameroun avec moi. Alors, je suggère Karine Bernfeld. Il y a un flottement, je n'ai pas une réponse tout de suite, et je finis par apprendre de manière informelle que Karine Bernfeld, ça ne va pas pour le réseau français, parce qu'elle est blanche. En quelque sorte, en écrivant une nouvelle dans ce recueil et en prétendant venir en parler au Cameroun, elle se rend coupable d'appropriation culturelle. Je dois préciser que l'éditeur camerounais n'y voyait aucun inconvénient, que rien ne dit que le public au Cameroun en ait été offusqué. Mais ce qui frappe, c'est cette idée selon laquelle, du point de vue du réseau de l'époque, Karine Bernfeld n'est pas légitime, mais moi, j'aurais été plus légitime à parler de Nelson Mandela, alors que je ne suis ni sud-africaine, ni noire en particulier, du point de vue de l'Afrique du Sud ou du Cameroun. Finalement, il n'y a pas eu de tournée. Voilà, donc c'était un exemple très rapide. J'arrête le partage. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des réactions en dehors de mon chat qui miaule. Non, j'ai juste hochement de tête en désespoir. Hochement de désespoir. Voilà, je suis sur le désespoir là. Non, mais on va rester positif parce que c'est le désespoir, c'est un carburant, tu vois ça. Ça va donner de la force pour la prochaine étape. Jacques ? J'aimerais dire quelque chose qui est important ici. Si vous m'entendez, j'espère. C'est que cela nous vient d'une situation socio-historique particulièrement dramatique. L'exigence que les traducteurs d'une poétesse américaine noire, soit des Noirs, vient des États-Unis et de la communauté noire des États-Unis. Et ça a été pour l'inauguration de la présidence de Biden, le poème proposé par l'autrice choisie par Biden a exigé et a fait en sorte que ça n'arrive pas autrement, a exigé que les traducteurs de son texte vers l'Europe et divers pays soient des Noirs. Et ça, c'est hélas un modèle qui nous tombe sur le dos et qui vient de loin. Et je me demande si, en définitive, ce que j'ai entendu ce soir, francophonie, ce n'est pas le résultat de la mentalité de la psychologie humaine profonde qui est de catégoriser et de classifier tout ce que nous saisissons d'une façon ou d'une autre. Et c'est la base même du racisme. Merci Jacques. Bon, on va peut-être conclure parce que ça fait 2 heures qu'on est là. Donc finalement, la question, c'est est-ce qu'on veut d'un monde où chacun est assigné doublement dans une identité présupposée et essentialisée et dans une parole univoque qui est censée correspondre à cette identité à une dimension. Alors, c'est un choix de société qui nie la possibilité de l'empathie. Or, l'empathie, c'est bien souvent à la base de la création et de l'œuvre des auteurs. Donc, nous, on est un syndicat, on n'a pas une prétention universitaire, on se place du point de vue des auteurs, dont on a vu qu'ils peuvent être malgré tout victimes de dérives classificatoires. Donc, elles découlent de logiques mercantiles, elles peuvent découler aussi de simples préjugés identitaires, et elles sont quand même vraisemblablement un poison pour la création, dans la mesure où elles l'orientent et elles peuvent aboutir à des formes de censure ou d'autocensure des auteurs. Sur un autre secteur culturel, celui du cinéma, il y a quelques années, on a entendu des actrices qui ont dit « Noir n'est pas mon métier ». Il semble qu'on puisse transposer cette formule à la problématique qui nous occupe aujourd'hui. Francophone n'est pas mon métier. Ça marche bien avec toutes les cases identitaires, probablement. Alors, on peut se demander aussi si le séparatisme qu'on a mis en évidence ne traduit pas une obsession de la pureté,
même s'il y a des raisons marchandes à être obsédé par la pureté. Pureté des individus et pureté de la langue. Mais la pureté de la langue, ce n'est peut-être pas un enjeu pour les auteurs, parce que bien souvent, la langue est leur outil et leur intérêt, c'est d'être traduit dans d'autres langues. Mais nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, parce qu'en réalité, comme le disait Elgas, c'est un serpent de mer, c'est même peut-être un léviathan. Donc nous, on voudrait encourager les chercheurs à creuser cette question, les auteurs et les institutions à s'interroger. Et nous, on a accumulé pas mal de matière, on va continuer sur les catégories de genre, et donc on se rend disponible évidemment pour les institutions ou quiconque souhaiterait creuser le sujet avec nous. Elgas l'a rappelé, il y a le recueil collectif de Michel Lebris qui est paru en 2017 sur la littérature monde. Alors nous, on ne se place pas dans cette perspective, mais c'est intéressant de le rappeler quand même. Si vous avez des témoignages à nous apporter sous forme de textes, de selfies, de vidéos, vous n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse auteurenaction@snac.fr, donc auteur avec un S, auteurenaction@snac.fr. On mettra l'adresse dans le lien de description sous la vidéo qui sera diffusée sur YouTube. On mettra aussi à votre disposition un certain nombre de ressources, en particulier les textes de Shumona Sina, de Jean-Louis Hamsel notamment. Et nous, on va poursuivre notre réflexion avec une rencontre qui est organisée par l'Université de Notre-Dame le 28 juin, qui sera filmée, à laquelle le SNAC est invité, et cette rencontre, elle sera diffusée. Tous ces travaux, donc webinaires, textes, vidéos, on va les compiler pour les adresser à notre ministre de la Culture, de manière à trouver ensemble des solutions à ce qui s'apparente quand même à une atteinte à la liberté de création et à de la discrimination. Enfin, si vous êtes auteur ou compositeur, adhérez au SNAC. Oui, oui. Et que vous soyez auteur ou non, vous pouvez contribuer à notre engagement par vos dons. Vous allez sur le site du SNAC et en haut à droite, il y a un petit bouton invisible où il y a écrit « Soutenez le SNAC ». Alors, soutenez le SNAC. Et grand merci à vous tous pour votre présence aujourd'hui. Et nous, on continue le combat. Oui, ça va, voilà, on va finir. Merci beaucoup. Merci. Je vous rapproche. Et merci. Puis, au revoir, bon appétit et à très bientôt. Et bonnes vacances. Au revoir. Au revoir.